On approche. Il y a une fort. Pas ouvert. Au Delta 3. TV pour toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que les conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Code Alpha 3, 4, oiseau de camouflage, on approche. Il y a une fort, pas ouvert. Code Alpha 3, on alerte. Code Alpha 3, on approche. Oiseau de camouflage, on alerte. Il y a une fort, code Alpha 3, pas ouvert. Il y a une fort, code Alpha 3, atterrissage. Code Alpha 3, on alerte. Bonsoir à tous et à tous, bande de bon week-end chez vous, bon week-end chez vous. Nous sommes bien live, PSTV, Kali TV in the building, in the place to be people. It's going down, the roof is on fire. On partage le show les gens. Bande de bon week-end chez vous, bande de bon week-end chez vous. Nous sommes bien live, nous sommes bien live, on partage le show. Pendant que je suis en train de partager ici, j'ose espérer que tout le monde est live. Tout le monde est live. Comment vous allez là-bas? Donc, je vais partager un peu dans sur WhatsApp. Hein. Partagez le lien sur WhatsApp, s'il vous plaît. Veuillez partager sur WhatsApp, s'il vous plaît. Ils sont bien live. Je vais partager sur WhatsApp pour notre Facebook. Donc, donnez-moi quelques minutes le temps de faire partage massif ici. Partagez là-bas. Le show de ce soir est très, 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 très Vundani. 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 Un show inédit. Il faudra me taguer des gens d'engue là-bas. Il faut me taguer d'engue. Taguer. Donc, c'est un côté. T'as gué moi un dengue là. Ah là là. Ce bébé là, tu dois pas bien dormir là. T'as gué aussi sa fille. Hmm? J'ai jamais parlé de toi ici. Hein? Sarandengue. Je n'ai jamais parlé de toi ici. Hein? Ce n'est pas parce que je ne te connais pas. Je me permets de tutoyer. Ce n'est pas parce que je ne te connais pas. Mais
Je connais des gens qui te connaissent, donc j'ai ton dossier par cœur. Mais j'estimais que ce n'était pas nécessaire de te parler parce que, bon, vu que c'était ton daron qui était là, bon, comme on dit, hein, tel père, tel fils, telle fille, tel père. Tozo panza. Comme elle est allée, pardon. Tombez le coup. Rentrez déjà, parce que Boula binama tu pisoulakou. Nous allons pisouler les binama. Et avant de demander pisoulakou, hein. Abandokimpe, les sorciers de la toile, hein, on vous connaît maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est pas là? Nous allons partager dans les inbox WhatsApp. En attendant, moi coulage. On attend coulage. Nous sommes dans le panzement. Coulage. Gâteau. On est yakuta. Oh là là. Donc, on a fini le partage massif. Alors, comment vous allez? Wapasokuna. Nous nous sommes rentrés dans le pansement. Comme elle est taguée, s'il vous plaît. Ta gueule. Les titres. Oh là là, les Vundani, Qui boit bien goût, vous appuyez tendu renversé. Écoute, oui. Comme elle est taguée. Petit bricoleur. Bricoleur et les bricoleuses.
Mais Sam Tutaku Balbaya est de nos côtés, 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 de nos Kabiko. Donc, faut camer là-bas, faut camer. Faut camer, faut camer, faut camer, faut camer. Camer. Nous sommes ici pour Panza. Oh là, Panza de chez Panza. Oh là 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 là, comment vous allez? Ah, ma carrière pèma. Oh là là. Carrière. Moukoko a mal et soso. Ya tchou bana 5 Bien. Ça, c'est le dernier Kratos. Vous-même, vous savez. Alors, dire un petit coucou à tout le monde là. Pourquoi va télé comme maman Delphine? Pourquoi va télé? Va télé là quoi? Nguba, nguba, nguba. Nguba yo iba tati vreng. Bilumbubi, nashida, hein? T'es choisi quoi? Woy kinkana, woy yaya na, oh! Comme kou miye la be, woy yaya na, allez. Top led. Mais mon batch n'a loué, tu crois, violet. On a loué, on a eu. Vous, mon batch, ou violet, n'a pas loué, tu es baba, mon sonny, ma zoom, ma man, sonny, ma king, canaco. Mon batch, non. Quatch. Comme un tagin dengue, comme un tagin dengue, parce que nous avons des titres. Noage, titres de cousin noage. Mais il m'a tombé, ne quoi, quoi. Titres à quoi, t'amour. Titres très, 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 noage. Très, noage. Noage, n'a noage, kouma koukoubaka. Système de nuages. Bonsoir à tout le monde. Bonjour l'Afrique de liberté. Le temps que je puisse un peu papoter avec les locaux, hein, les gens. Nous allons revenir vous dire bonjour à tout le monde entier, les Africains. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre ici. Notamment, Bata Est, hein, tout ça là. Hein, le monde entier, vous êtes là présent. Donc je vous salue. Je viens d'abord vous dire bonjour. Je viens d'abord dire bonjour aux proches, à la famille matters, you know what I'm saying, people. Donc, qu'est-ce que nous avons ici au niveau des titres andouages et andouages? Mboteko, Mama Delphine, Mbote Maton, Namaton, Tata, Mfumo, Edim, Kai, gouverneur de Mpanga, la souverain. Ah, Maton, Doma, Mingo, Beno, Bongo, Beno, Mpela, Sampechi, Minou, Ah, Mwanaya, Yadi, Yamboka Bakareko, Bab. Oba Kumfuiri, Beno la Kumfuiri, la Kunjamburi, ma tonne de penta pour la Kunzambi, Haka, much plus tard, pour Ata, Miamien son insam. Miamien son insam. Et tu m'pangala, toi, m'pangala souverain, m'pangala souverain. Nous sommes dans le système de m'pangala souverain. Donc, titre de ndouage,
titres, les titres. Les titres qui sont très, très, très faramineux. Aujourd'hui, nous avons des titres très faramineux. Et vu que on ne peut pas être des yemba meurs. Hein? C'est-à-dire qu'un yemba mab. Un yemba mab, c'est un yemba mab. Mais Yandi, c'est-à-dire que baou, bon, on a terre, bon, on a tabou, on a sabalou, on a sabalou, on a sabalou, c'est-à-dire que baou, baou, on a meno. C'est-à-dire que baou, c'est-à-dire que. Ah, bigabig, on a calculé la fiche. C'est-à-dire que j'explique un peu vite fait à mes gens, je vais vous dire bonjour, donnez-moi une minute. C'est-à-dire que eux tous, l'erreur qu'ils ont eu à commettre dans leur vie, c'est d'avoir touché le sang des gens du peuple. Dumba, ils n'auraient jamais dû toucher un seul cheveu. De nous autres, là. Donc là, comme moi je parle ici, quand même vous savez que Mokolombok, Mwanambok, l'original, vous aussi, vous êtes des originaux dans vos contrées là-bas. Donc, mon problème à moi, ici, c'est Mpangala. Il n'y a pas d'autre problème. Donc, ne me cherchez pas de problème. Parce que ici, donc, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je pense que parmi vous tous là, si on touche quelqu'un de chez toi, même dans la famille, tu n'es pas content. Moi, je ne suis vraiment pas content. C'est que je suis vraiment pas, c'est que je suis vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Bien, nous allons lire les titres d'un douage. Les jaloux vont maigrir. On maigrir là-bas, bien comme il faut. Oh là là, c'est maintenant que je me rends compte que Mbanga là. Oula, mais vraiment, vous êtes bizarre, hein, vous les Congos là. Oh, maman qui est là, mon yobela, je vais vous yobeler tout à l'heure. Je vais vous yébeler ici. Où j'ai mis la fiche. Je vais vous yébeler ici. Je vais vous yébeler. Allez, 11. Donc nous allons la zoomer à partir d'ici. Moi, zoom panoramique. Donc, qu'est-ce que ça dit ici, les gars? Voici la fiche. Il y a douage, la fiche du jour. Afrique centrale, comme d'habitude, nous sommes en Afrique centrale, nous les Africains. De l'Afrique centrale, on doit parler de chez nous. Donc, j'ose espérer, parce que jusqu'à présent, je ne vois pas l'Afrique de l'Ouest parler de l'Afrique centrale ici. De ce qui s'arrive là-bas, vous voyez qu'il y a beaucoup d'Africains au niveau du Mali, Afrique centrale. On est là, on soutient. Mais c'est comment? C'est comment vous là-bas? C'est comment? Non, parce que vous êtes au courant que c'est lui-là, l'immigré de la colonisation française, là, Sassou Nguesso-Denis, et de votre secteur là-bas. C'est pour ça que vous n'avez jamais parlé de ça. On connaît, on est africain. Hein? Donc, Afrique centrale, Congo, toujours avec K, la gérontocratie d'un régime en perdition, s'il vous plaît. C'est le grand titre que nous allons frapper ici. Déjà ici, les gens ne viennent pas ici. Ils sont seulement au Balkan. Parce qu'ils savent. Hein? Ici, on doit frapper. Donc, nous serons sur WhatsApp News, spécialement aujourd'hui. Nous allons beaucoup survoler WhatsApp News. Donc, contact à ma solo, il y a WhatsApp News. Congo, Kinshasa. Des violences. Donc, nous sommes dans la page internationale africaine centrale. Il faut y parler comme ça. Donc, des violences, manifestations ont eu lieu samedi 10 février. Les détails, je vous les donnais tout à l'heure. Deux, news locale, Congo. Mpangala, moi personnellement, je ne dis pas Congo-Brazzaville. Moi, c'est Congo-Mpangala.
Samoni Bomi. Congo Mpamba. Hein, donc, Congo pour la ville, il y a Fioti, tout petit. C'est un petit truc là-bas. Un truc des menteurs, des sorciers, tout est mélangé là-bas. Donc, je me considère. Quartier Mpila, vendu au roi du Maroc. Expropriation dans le quartier Pila. Hein? Alors, qu'est-ce que ça dit encore aussi? Yoro par le gouvernement du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, Yoro là, quartier Yoro, Pila là, c'est chaud. Taguez les gens de Mpila, taguez-vous. On va frapper ça, ça. Bien framponneur, ça. On va bien framponneur. Département du Pou, là-bas aussi, ils ont tenté là-bas. Bishimpangala, côté nous, Bantubo, Nsamba Keti Yelako. Samba Keti Yelako, Bantubo, Ndenge, je t'avais dit que vous, avec le Pou là, c'est-à-dire que vous, là, vous devez sortir. Bam. Comme je sais que c'est vous tous qui. Oh là là, c'est-à-dire que vous tous là. Faut pas venir dire ici que c'est caillé. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est vous-même qui me cherchez des problèmes. Département du Pou. Comme l'État. On va parler aussi toujours notre vedette. Hein? Notre vedette chien. Notre vedette ici. Vous connaissez la vedette ici, c'est Sassou Denis Mathieu. Pour le texte. Bon, le cas. Na bembe pe bazana kati makambo wana o ya mpila wana ba bembe pe ba kochi na kati boko taka deja ba bembe pe bazana kati surtout eux c'est les collabos là, c'est les traites jusqu'à la mort les piliers là, ils doivent payer, surtout eux, comme nous sommes du même coin là-bas les bembe, vous allez payer cher les réparations, vous là, c'est à dire que hein, quand vous allez parler des mboshi là, vous les bembe, les réparations que vous allez payer là. Vous ne pensez pas qu'on va faire oh non, bon. Vous allez payer les réparations, vous les bébés. Chez nous, c'est encore, ça nous énerve. Même le tout n'a pas de la carte, ma bête. Ben, vingé. Il faut les taguer aussi les bébés. Justice, affaire Jean-François Nengelino. Nengelino. Ndenge bakiri mambu, ndenge bakiri mambu, ndenge ame mingambo, ndenge ame mingambo. Tout le jour de la justice divine, ndenge. Hein? Toi, tu es là à croire que non, voilà. Les gens parlent de moi, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de parler de vous. Mais non, mes chers amis. Vous êtes sous le joug de la justice de l'Éternel. Ah mais ce qu'on appelle ça chez nous, on l'a dit. Tempere kabalo, tempere ke kutatanza, tempere kak, tempere kak. On vous a tempere ke. Donc faut pas dire que c'est les gens parce que Kaye est en train de parler de. Non. Vous êtes sous le joug de la justice de l'Éternel. Ben non. Vous allez être frappé, refrappé, défrappé. Oh là là, bête qu'on n'y saille, n'y saille. Je sens que je vais bien m'amuser ce soir. Nous allons bien nous amuser. Ta gueule. Comme. Encore dit bonjour là-bas. Nous allons encore dire, moi, m'bote tout le monde. On est samedi, week-end, m'bote. Comment là-bas? Papa Marcel. Ah, Jean-Claude, ni toi quoi. Tiens, vous êtes qui est le Bissi Congo. Bissi Congo, soyons vigilants et exigeons le système fédéral. Le mal du pouvoir Sassou est devenu incamouflable. Vive le modèle fédéral. Bon week-end au gouverneur de Mpangala et Congo partout dans le monde. Sempeleka. Ah oui, Sempeleka. Sempeleka, là, Sempeleka. Tatanzamba, Sempelekeleba, Sempelekele. Et c'est un mot de. Simple les cas, ils sont simples les cas. Eux, ils pensent que ce sont les êtres humains qui le font ça. Non.
C'est Dieu, c'est Dieu. Donc ce soir, nous allons rire aussi. Il y a Politique Vibration 2024. Nous avons fait des choses là-bas, comme du Yiri Grico, c'est-à-dire que Sassou, on a encore bousillé comme d'habitude. Parce que moi, je suis comme ça, vraiment, les points. Parce que quand je le frappe ou pas, maintenant, moi, j'ai le corps qui me gratte. Vraiment, moi, vous savez, quand tu as mon son, même ni tout d'encre, miaka, miaka, pourquoi je n'ai pas eu, oui, n'ai pas eu, il faut que je le tape tous les jours, il doit se rappeler, et les mochis, et maintenant, au programme, avec les bébés, ils doivent tous se rappeler que vous avez fait du mal aux poules, et vous les bébés, vous êtes en train de faire la sorcellerie aux jeunes de poules, vous là, vous les bébés là. Vous nous connaissez pas, nous. Je peux vous mettre dehors, dehors, vous tous. Vous me connaissez, non? Vous croyez que vous êtes invisible. Ah, mais moi ici, je suis de Dieu. Je vous ai déjà dit ça, non? Est-ce que quelqu'un qui travaille pour Dieu, on peut le toucher? Je veux vous mettre dehors. Celui ou celui, je dis bien, la tribu là, qui va essayer de toucher un gars du poule. Je me parle. Ça, c'est bien les conseils. Maintenant, ce que vous avez fait, vous ne voulez pas qu'on vous voit physiquement. Vous voulez amener ça, vous voulez amener ça maintenant. Spirituellement, vous voulez frapper les gens de peau. Va vous montrer. Beno, Kundura Beto la Luzebi. Quel est mon acteur de la banque? Kuna Gata, Zaba Luzaba. Bien. Nous allons frapper ici. Frappe la frappe en attendant. Nous allons écouter Pecto. Bon, on va taper à Poupoula. Bon, on va taper à Poupoula. Tchindou, tchindou. Houkan, vous l'avez vu, non? Il est venu ici avec nous, présenter l'opus, là. Il est venu ici avec nous. On a tabac à Poupoula. Ah oui. Tabari, tabari, oh. Oh là 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 là. Ah, tabari, ma, kousou. Donc, nous allons écouter Tchinzou. Pectora, pectora, donc, Samomier. Le temps qu'on frappe ici. Gounabou, gounabou. Gounabou. Samuel and the last, 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 Sam
Et montage vidéo ainsi que les conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous.
Donc, bonsoir, bonsoir to everybody around the globe. Saying hi to everybody around the globe. This is Governor Kai here. So you guys already know what's going on inside the show. If you're new here, feel free to watch the show. If you don't speak French at all, because usually I do the show in English, in French. Time to time, I have to translate some words in French. So that's over. Anyways, if you do understand French or any kind of subject that I'm using here in French, feel free to translate to your kid or to me in concern regarding the show. You're talking about what's going on inside the Congo, Congo people. You know what I'm saying? Most of the time, Congo, that what you heard, Congo, it wasn't with C. Congo are people. We Congo. That's what I'm talking about here regarding the Congo people, my people from Congo, whatever, if you're native of America, whatever, you feel like you're Congo, feel free to come ask some question here because you got the original here. All right? So thanks for being here. Please share the live. Donc, à tous les Africains, hein, les frères africains, des libertés, tout ça, ce que je vois sur la toile, ceux qui font rire tout le monde, des jeux et tout ça, hein, on est vraiment bien contents. Il y a beaucoup d'enjaillement. Au niveau de la toile, il y a de tout. Donc, bonsoir à vous, bonjour à vous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Ceux qui ont l'habitude de venir suivre le show ici, n'hésitez pas, notamment, nous faisons aussi des émissions hein, pour tout le monde, parce que c'est quand même, c'est une chaîne communautaire, mais nous recevons tout le monde. Quel que soit le pays, vous avez un topic, nous faisons des publicités, des montages vidéo. Donc, n'hésitez pas, hein, renseignez-vous. Vous avez les numéros qui apparaissent, vous avez mon email, donc contactez si vous avez... Si vous avez des besoins ou si vous avez des émissions à passer, les Africains, bonsoir à vous. Mali, Sénégal, oh, il se passe des choses au Sénégal, on compatit. Je vais en parler peut-être la semaine prochaine, temps de rassembler. Je pense que le professeur Franklin, le vieux Franklin, on a parlé aussi déjà, Nathalie Yambe et tout le monde là. Donc, je pense que tout le monde suit l'actualité. Donc, bonsoir et bonjour au Sénégal, dépendamment à l'heure que vous viendrez suivre le show. Bonsoir et bonjour au Cameroun. Bonsoir et bonsoir, bonjour. La Côte d'Ivoire, Babi. Bonsoir à Elbev, le Gabon, du côté de l'Afrique centrale. Angola. Bonsoir Angola. Pas la moindre, pas de problème. Angola. Bon, ciao, voilà, brigade. Angola. Bonsoir à Kinshasa. Kinmalebo, comme on dit. Kinshasa. Kinshasa. Mbote, Mbote, Kuna Bantandu. Aluba, Bangala. Bote Nabino ya Kinshasa kuna batwa Est Goma Matadi ti kuna na Luwozi o kuna Luwozi kuna Banza Ngungu Mbetenge Impese Tonabata Kisantu ha ti nzela ya Bakongona bote Nabino ah ni tuwe kwa balba yaya. Mwana yaya kotelea. Donc, batope ya Minza, mote nabino, Minza Delvo, Minza ma compagne, limité à sosa Gambela. Mote nabino kuna batwa Gambela pe, mote nabino. Batandal, mal, ndal, bandal sikin, mola, mote kuna. Victoire, mote. Njili, njili. Mbosa nabino te batanjili, mote nabino kuna. Koka kuko beto, oh, tatanza. Bifuetie, oye, oye, oye. Latana, mote zenu latana, mwaka wabate. Nivula lutambu, mwila kuka bishi latana, mwaka wabate. Ah. Eto nirakwa tuwe, nikuta kwe, tensamu wa mpolo, bongo bibi, njala miyemi atukutula kwa, bau, bau, kwa zaba. You do have zabe? Meko, ils sont fâchés là-bas. Meko, quand ils sont fâchés, moi ici, je suis très content. Donc, bonsoir au monde entier, l'Europe, nous avons la France. Bonsoir. Paris, 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 Paris. Bonsoir, Paris. Nous allons dire bonsoir aussi à l'Angleterre. Bonsoir à Londres. Londres, Londres, bonsoir à vous, les gens de Londres. Espagne, bonsoir. Maryland, Maryland, Virginia, Maryland, Virginia. What's up, Virginia?
New York, what's up? Jersey. Ohio, hala. DC, bonsoir à DC, Chicago, you know. All over the place, bonsoir à Hong Kong aussi, Hong Kong. Bonsoir au Québec, MTL, Montréal, je m'en souviens. New Brunswick, bonsoir New Brunswick. Chicoutimi, bonsoir Dalbo. Ah, Vancouver, bonsoir. Sauf là-bas. Là-bas, on ne dit pas bonsoir là-bas. Bah, c'est un fest. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre show. Comme vous avez pu le voir ici, nous avons commencé par ces news-là. Mais vous savez qu'on parle de Mathurin ici. Donc, nous allons commencer notre émission dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, nous allons nous moquer d'eux. D'abord, bien comme il faut. Parce qu'il ne faut pas oublier que eux, c'est des moches. Ils foutent la pagaille là-bas. Donc, il y a une chanson pour eux qu'on nous a chantée parce que Bisso, Banabasi Bariyoki Sangoan. Donc, vous, non, vous avec nous, vous tous, avec nous les larmes, vous n'allez jamais finir. On est là. Toujours. Mais quand je vois votre acharnement face à nous les Balari, Congo Larry, honnêtement, pour être honnête avec vous, je ne vois même pas qu'est-ce que vous avez de spécial. Vous êtes toujours aussi pauvre. Vous êtes toujours en train de vous battre. Depuis que vous êtes là, vous n'avez rien construit en Pangala. Vous êtes en fait, vous êtes resté idiot. Donc nous, quand on dit aujourd'hui qu'on ne veut plus, ça panique là. Ça panique. Ça raconte des bêtises, hein. On va d'abord écouter la chanson du petit là. Hein, moi, j'adore la chanson. J'adore ça. La. Nous aimons beaucoup bien une très belle chanson. C'est une belle chanson. D'autres là, c'est de là. On connaît des gens qui vont dire oh non, parce qu'ils sont. Non, c'est de là. C'est là. On n'a pas fini dans la bonne humeur. Toujours dans la bonne humeur. Cette fois-ci, nous allons rire pour de vrai. Hein, Mathurin, nous t'avons remis hein, en portrait. Ce que tu avais dit à l'époque à propos du pôle. Que nous, on ne peut pas t'oublier. Aujourd'hui, nous rions de ça. Et on voit comment la moitié du pays est complètement abruti parce qu'ils ont des belles terres arabes qui sont incapables de développer. Mais nous allons venir là-dessus. Écoute ça, c'est pour toi. C'est pour toi, ça. We'll be right back.
c'est le moment de dire que et au Congo, il n'y a pas de crise post-électorale. Bon, il faut d'abord dire que il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pays. Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Mes condoléances à toutes les Abidjan. On est pleurs. On est pleurs. Que ton âme reçoive respect. Quitte-la. Dirigeants politiques du Congo, pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa mère. Pour moi, il n'y a pas de crise. Mes condoléances au défunt qui vient de nous quitter. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Son paix se repose en son âme. Je salue le retour progressif de la paix dans le département du Poule. La signature le 23 décembre 2017 à Kinkala de l'accord de cessez-le-feu et de fin des hostilités dans le département du Poule. On est l'une des expressions les plus éloquentes. Il va payer ses actes en faisant 15 ans de prison. Bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oh là 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 là. Donc, nous allons lire. Vous avez vu dans le titre Ndouaji Nandouaji, titre faramineux. Toujours, nous commençons par la parole. Même vous. Bah, moi, là-bas, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. C'est-à-dire que là-bas. C'est dommage pour vous, là, qui ne connaissez pas. C'est dommage pour vous. Je vous dis la vérité. Hein. C'est-à-dire que chez vous, vous n'avez rien compris. C'est la science des sciences et des sciences et des sciences de l'autorité suprême. Hein? C'est-à-dire que parler de Dieu ne t'empêche pas d'être qui tu es. Au contraire, tu deviens plus meilleur à chaque fois. Hein? Ah bah là-bas, j'ai même à quoi c'est là qu'il est. On commence d'abord à parler une adoration. Hein? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Bien, 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 bien. Maintenant, nous allons frapper. Taguez-les, s'il vous plaît. Taguez-les. Je suis déjà dans l'esprit, là. Taguez-les. Taguez-les. Comme les tagués. Et les Congolais et les Congolaises et tout le monde, vous rentrez. Parce que pour la plupart du temps, quand je parle ici,
Les gens pensent que je parle parce que j'ai envie de me faire quoi. Non, ce n'est pas pour moi ou pour Pangala, comme on peut le dire aussi, mais c'est pour votre bien. Il faut aller à un autre niveau de la compréhension de la chose qu'on appelle le fédéralisme. Fédérer. Facile à comprendre ça. Bien. Jacques 3, 17. Vous êtes venu blaguer avec Dieu ici, vous là. Vous là. Car là où il y a un zèle qui va nous amener dans tout ce que nous allons dire aujourd'hui, de quoi nous allons parler concernant les terres Congo et le. C'est-à-dire que nous allons globaliser tout ça dans la parole. Oula, qu'est-ce que c'est bon? Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre. Quand il y a la dispute quelque part, vous savez, il y a toujours le désordre. Dans le pays, là où ils sont venus prendre sur nos terres, là où ils sont tous là, il n'y a que la dispute, il n'y a que la discorde, la même discorde qui s'est jointe au sein de la fédération. Beaucoup sont restés maintenant avec quelque chose dans le cœur parce qu'on a injecté un venin. Quand tu es de Dieu, tu comprends tout de suite la discorde. Et tu prends un recul. Vous affinez les plans. Attaquer l'ennemi. Parce qu'on n'attend pas que l'ennemi attaque. Cette fois-ci, on va attaquer l'ennemi à domicile. On va attaquer l'ennemi à domicile. Car là où il y a un zèle armé, amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Que nous voyons là. Les nouvelles, là-bas, aujourd'hui où on se parle, les nouvelles sont très moroses dans ce pays que nous avons déjà repris spirituellement et physiquement. Nous reprenons tout. Parce qu'eux, ils ont voulu tout saccager jusqu'à la langue. Comme Aduba, ou la sagesse d'en haut. Écoutez très bien. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Donc, comment je parle ici? C'est dans lui. C'est-à-dire que je ne suis pas moi dans vos histoires. Je suis pacifique. Et très violent. Pur, modéré et conciliant. Plein de miséricorde et de bon fond. Exemple de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse. Jacques 3, 17. Allez-y méditer. Parce que des fois, les versets, ça parle différemment à chacun de nous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job. Nous rentrons dans les palèvements. Afrique centrale, Congo. La gérontocratie d'un régime dictatorial en perdition. Gérontocratie, c'est quoi déjà? Beaucoup, je pense que beaucoup sont familiers à ce mot de gérontocratie. Nous allons aller voir ça sur Google, hein, gérontocratie, vite fait. Gérontocratie. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Gérontocratie, dictature, gouvernement, domination par des vieillards, qu'on appelle la gérontocratie. Donc les vieillards qui dirigent le pays et par ricochet qui veulent laisser ça à leurs enfants. Mais vous allez remarquer que leurs enfants sont déjà en âge de gouverner
l'âge à laquelle eux, ils sont arrivés au pouvoir. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là. Ils mettent maintenant leurs enfants dans les postes. Des vieillards. Ils font maintenant pipi au lit. Et eux aussi, mais en ce moment, il y en a un là. On appelle Sassou. Il paraît qu'il est en train de faire des cauchemars là-bas. On va en parler. La gérontocratie. Donc, c'est ça la gérontocratie. Pour ceux-là qui ne sont pas familiers à ce jargon-là. Bien. Nous allons rentrer au niveau de Kinshasa. Cette fois-ci, nous allons aller sur vos top news. Vous êtes au courant que on va parler un peu de l'international, mais ça se passe à Kinshasa. Ça s'est passé samedi dernier au niveau de Kinshasa, Kinmalepo, partout dans le pays. Il se passe pas mal de choses là-bas. Et donc, par conséquent, il y a eu des violences là-bas. Mais vous-même, vous connaissez le problème. Le problème ne date pas d'hier, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes problèmes récurrents que vous connaissez, que nous connaissons tous. Comme on parle de l'Afrique centrale, vous savez qu'au niveau de l'Afrique centrale, il y a beaucoup de problèmes, notamment le mélange ethnique venu de la colonisation de part et d'autre, que les Africains ne veulent pas adresser. Les Africains ne veulent pas adresser ce problème-là des autres Africains qui sont venus chez les gens. Ça, là, on veut, ah, il ne faut pas qu'on parle de ça parce que, oh là là, hein? En Afrique, il y a beaucoup de pays où il y a des gens qui ne sont pas originaires de là. Mais ils sont de leur pays là-bas. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça, on parle de l'Afrique, les Blancs, ceci. Mais il y a un grand problème là-bas. Grand problème là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Kinshasa? Nous allons aller sur WhatsApp News. L'image que j'ai reçue sur WhatsApp. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Il y a eu des violences au niveau de Kinshasa. À cause de cette histoire de la dictature Kin, mais et j'avais appris là-bas que il paraît vieux qui se qu'est dit au loba ki kuna yo kaso ki barwande ba koti kuna oko sala makambo oko bimanini banini. Moi j'ai vu beaucoup de comment ça s'appelle, beaucoup de posts au niveau de réseaux sociaux, hein, vieux qui se qu'est dit balobi kuna, tu ne tiens pas tes promesses. Pour envoyer le message, tu n'as pas vu que c'était dit. Balobi Kuna, tu n'as pas tenu ta promesse. Donc, Balobi Dorio, aux Anagnabango, na zoom zoom. Balobi Kuna. Pour envoyer ça, vu que c'était dit. Donc, là-bas, c'est chaud. Voilà ce qui se passe là-bas. Le Bluetooth, hein. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Voilà. Voilà les violences au niveau de Kinshasa. Je vous lis, hein. Je vous lis. Je ne vous ai pas le stop. Une véhicule des violences, manifestations ont eu lieu samedi à proximité de l'ambassade américaine, chinoise, portugaise à Kinshasa, non loin du quartier général de la MINUSCO. Les manifestants accusent l'Occident et les Nations Unies de passivité face au massacre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, face à l'agression du pays par les rebelles M23 appuyés par le Rwanda, en dépit de plusieurs, notamment des États-Unis, voilà, je vais mettre ça, on pose, RDC Congo, l'Union européenne exhorte le Rwanda à cesser de soutenir les rebelles du M23 et de l'Union européenne. Bon, ça fait des années qu'on entend parler de tout ça. Mais bon, on peut passer le message. Oui. Donc d'ici, les chancelleries sont appelées à plier bagages. Donc les ambassadeurs sont appelés à plier bagages. Les habitants au niveau de Kinshasa, bah télé kunati, pas ouvre ni moins de
Donc, ne bantez pas trouver comme ils ont ça ça. Mais il est de belles mon chasse tamé dieu yo kele. Il est de belles quoi donc on passe n'en passe. Donc du coup on va trouver comme on basade. Donc on va te tirer Rwanda ni Baba va côté là quoi. Ni Baba ça va voir. Ben d'abicata. Donc au niveau de Kinshasa il y a eu beaucoup de violence là-bas donc ils sont en train de chasser les ambassades ils accusent l'Occident donc les autres pays les États-Unis tout ça de passivité à cause de la guerre qu'il y a dans le sud Kivu et tout ça donc c'est chaud là-bas c'est chaud vous voyez les images proche du gouvernement plutôt dans la semaine les ambassades de France et du Royaume-Uni avaient également été dans la foulée. Une veillée a été organisée samedi à Kinshasa. On est venu déposer des bougies en mémoire de nos frères tués à l'est du pays. Ça fait des années et des années et personne n'en parle. Il y a des mamans qui sont violées, il y a des enfants qui sont violés, il y a même des bébés qui sont violés et personne n'en parle. Voilà. Le gouvernement congolais est condamné à actes de violence, de manifestations. Vous lisez. Hein. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, c'est en face, les voisins immédiats, donc des frères. Donc, là-bas, comme vous pouvez le constater, là-bas aussi, c'est un pays, pas, c'est pas un pays limitrophe, c'est pas un pays ami, c'est pas un pays voisin. C'est un pays frère. Kinshasa. Bino ba tuangambo, si si koyo, mais n'a pas comprendre la carte, tant que l'or, bino ba congolais, boye, boye. Mais n'a pas comprendre la pour la ni, parce que boza pe ba mélange tout. Ba tom sousou. Bangala ba ebele ba uta ba province musu boya ko sangana nde kuna yango na lokola sasu akoma ayiba mboka na biso bino bomona ka sasu bokanisa ki sasu azaki moto na bino u moto na biso sasu azala ka moto na biso ba kolombo ka ni biso ba kong biso botuna botuna mutu ni mutu ba ko yebsa. Donc, mon noko oya au sala biso a buzo ba na bo tikaka. On appelle la timba, biso to timba. Oto lo bagat. Yebele la mona rabato. Ho moko mukewi, ta bota, ta bota makamu to ba. Makambo na inde, e yala ndela na tinda kubina, kut mabino, abina o bina ka. Oya lo keto, na bo ka se abina wa nzaba. Za biso ba kongo. Bo tuna kofi a yebi. Ya za mo kongo. Mais ayeko la na bota mende wana ayeko la ndema makinu makinu o benga mabinu biso lo makinu. On continue. Donc voilà ce qui se passe là-bas. Nous allons voir un peu au niveau de ce qui se passe avant de rentrer dans le local hein. Il y a autre chose mais je vais revenir au fur et à mesure que nous allons commenter que nous allons rentrer dans vraiment dans le show parce que là on est encore dans les échauffements. J'espère qu'ils sont tagués. J'espère qu'ils sont tagués. Que nous allons rentrer dans. J'espère qu'ils sont tagués. Ah oui. Hein. Nous allons aller voir au niveau de. Toujours dans l'international, dans le niveau, au niveau africain. On va lire mes titres. Kinshasa, ça me dit. Vous êtes détail. Nous allons rentrer au niveau de Local News. Brazzaville. Pangan. Il y a eu, entre-temps, beaucoup de problèmes. C'est passé inaperçu. Hein. C'est passé inaperçu au niveau du pays. Mais vous savez que Mathurin Sassou Denis passe son temps à dilapider les biens du pays. Vous savez ça, non? Donc, hormis les minerais qu'il vend, les bois qu'ils ont bradés, hormis tout ça, eux,
Ils sont en train de vendre le pays, hypothéquer le pays. Bon, la question que je me pose, est-ce que peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont en fin de course, voilà pourquoi ils sont en train d'hypothéquer le pays? Ou qu'est-ce qui se passe exactement? Sur les images. Elles sont où ces images? Je vous montre les images des populations déjà qui se plaignent parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi, pourquoi ils sont expulsés. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils savent jusqu'à présent, ces populations ne savent pas pourquoi ils... Pourquoi ce téléphone là, c'est mieux. Voilà, c'est bon. Donc, ils ne savent pas pourquoi ils sont expulsés. Les locaux. Donc la nouvelle est passée inaperçue. Vraiment passée inaperçue devant tout le monde. Et voilà. C'est bon. La nouvelle est passée inaperçue. On a vite fait, on a juste, comme ce n'est pas une grande manifestation à grande envergure. Donc, c'est passé inaperçu parce que l'actualité est blastée par les meurtres, les vols, les trucs de dingue. Or, il se passe que ils sont en train de brader le pays tous les jours. Chaque jour, ils bradent une portion. Chaque jour, ils bradent une portion. Nous sommes ici en Pila, à Yoro. Vous voyez, c'est une manifestation qui a eu, mais ça n'a pas attiré l'attention parce que il n'y avait pas beaucoup de gens. Batouazara qui est mêlé. Bamboshi Boyaka. 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 Boyaka Bamboshi. Boyaka. Venez ici, les Mboshi. Hein? C'est vous qui dites là-bas, Kache Nord. Kache Nord. Comme si en Pangala, il y avait des Kache Nord, il y avait des Kache Sud. Nous, quand on habite en Pangala, parce que le pouls chez nous, il n'y a pas de Kache Nord, il n'y a pas de Kache Sud. Tout le quartier là, Bila, Wen, tout ça, c'était chez nous. Ils ont vendu une Bila, Nyon Sobate. Bamboshi. On écoute, on écoute, on écoute. Pas commenter, sur un monsieur. Donc voilà, ici. Denis Sassou Nguesso veut vendre le quartier de Mpila. Donc Yoro, Congolais, réveillez-vous. Il ne veut pas vendre le quartier de Mpila. Il a vendu le quartier de Mpila au roi du Maroc. Écoutez bien. Ouais, on parle de Mabiala là. Aïe, ben tu me donnes Mabiala. Donc, Il ne veut pas vendre le pays. Sassou Denny a vendu le quartier Yoro, Pila, au roi du Maroc. Bandako, ba magasin, tout à Bozomona, dans Pila, wana. Biloko, tout à Bozomona, kuna. C'est biloko, ba marocain. Bozoyok. Le roi du Maroc a même demandé on ne puisse pas couper le baobab qui est là-bas. Il n'a pas acheté ça. C'est là, c'est parce que les travaux commencent. Ça fait bientôt 3 ans, 4 ans en arrière qu'ils ont signé le contrat.
Donc, pendant qu'ils sont en train de faire la pagaille là-bas, pendant qu'ils vous parlent des histoires de Mdendengue, ils ont déjà vendu Yoro. Mdendengue, je t'avais dit que toi, là, regarde-moi des gens comme ça. Regarde-moi des gens comme ça. Donc, hormis les minerais, donc, Bozana, vous allez que. Bino, mais Bino, vous en dégagez. Hein? Bino, vous en dégagez. Ma banga ya talo, boteka. Banzete, bozoteka. Ma wall, bozoteka. Ma diamant, bozoteka. Pétrole, bozoteka. Pétrole, vous vendez le pétrole. Vous vendez tout là-bas. Ça ne vous suffit pas. Vous n'êtes pas assez riche. Il faut maintenant vendre les terres là où vivent les gens. C'est pour vous montrer qu'ils ne sont pas chez eux. Pendant que vous êtes en train de faire du bruit là, aux zones d'Ndengue, eux, là où ils sont là, ils ont déjà pris l'argent du roi du Maroc. Donc, tout ce qu'ils vendent, mais l'autre tout va te caca, va chinois, va nîmes, jusqu'à présent, ils ont coqué la bangote et commis moka. Donc, Bishimpang, là, tout le monde voit, yani yorole, te kako ba mwatu, kako ba ndibu, kako ba marocain. Il y a 4 ans, 3 ans, on n'a rien qui l'a fait ça. La population, bango. Les populations sont là. Comme il n'y a pas eu beaucoup de gens, il n'y a pas eu fait des masses. Mais c'est très grave. Donc, Mboka, quand on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que c'est pas possible. Côté de, donc, Pila là, non seulement, là où il y avait les rats, ils ont tout cassé, ils ont tout pris, ça ne suffit pas. Quatek. À cause de Maroc, aïe au Tchalamboka. Mais, faut pas oublier, continue, il fait des contrats comme ça. C'est pas seulement les Marocains viennent là, non. Il fait des contrats d'armement aussi. Donc, tant qu'on va y avoir, mais ma peu pas mercenaire. Donc, on cadre. Pas bon. Et le contrat du Maroc, là, il a caché ça au Congo. Qui est au courant de ça? Ampila, Bilanios, Yoroti, Bateki, et Papa Maroc. Donc, le roi du Maroc aussi, lui aussi, commence à envier nos terres. Il a vendu. Donc, c'est chaud là-bas en ce moment. Il n'a pas pu livrer. Les Marocains sont en train de chaud. Donc, lui, il propose maintenant 18 millions. 18 millions, mais les Congolais sont trop bêtes. L'argent auquel on vous paye là, c'est des faux billets. C'est tous des faux billets. Donc, quand on te donne 18 millions là, c'est en faux billets. Et l'argent que tu ne peux que tu dises ça au Congo. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est vraiment mal. Nous allons rentrer dans le département du Poul aussi. Département du Poul. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Mampangal. Il y a pendant qu'on est c'est-à-dire que eux, non, les Congolais, là, c'est des champions de la distribution. Cette histoire de Ndengue, là, on sait que c'est Ndengue, c'est bon. Mais derrière toute cette distraction-là, eux, ils sont en train de vendre des choses, ils sont en train de faire des choses. Parce que eux, leur but à eux, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est une coalition de tous les. Tous les gars du Nord là. Les Nordistes qui parlent là, un peu là, c'est un peu seulement. Mais sinon, eux, là-bas au Nord, vous avez dit, quand vous avez dit, vous parlez du pacte du Nord. Le pacte du Nord est là. Au Nord, ils sont unis et au Sud, là-bas, c'est leur collabo. Donc les Libolèques et tout ce monde là. Ah ouais, ils sont en accord. Hein. Faut pas rêver, hein. C'est pas un truc de sentiment, ils font pas de sentiment. Hein. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe en Bangala? Hein? Bangala, zoublé le makout, zoublé le mes. Bonjour, chimouni maïe. Vous n'êtes pas bon, banza. Comment attaque? Mais la ouïe, il peut y avoir. Attends, tu me vois? Département de Mpangala. Il faut commencer à enlever le nom du poule là. Parce que poule veut dire piscine, bassin. Et ça vient de M. Stanley Poule. Livingston. Donc un colon. Donc le nom de poule là. Oh, ben t'as que le poule, mais non. Enlever ça. C'est pas le nom de Mpangala. Donc moi je dis département de Mpangala. 500 millions de francs CFA destinés à payer les ex-ninjas pour reprendre la guerre auraient été braqués à Mayama. Un convoi composé de deux véhicules en provenance de Brazzaville, donc de Mpangala, et à destination de Mpangala du Poule a été braqué sur la RN, donc la route nationale numéro 1, au niveau de Mayama. Les braqueurs composés de 6 hommes armés et cagoulés sont arrivés à bord d'un taxi vert blanc et sans plaque d'immatriculation ont pris la fuite en direction de Mindouli en portant avec eux les 500 millions de francs CFA. Environ, voilà. Oui, voilà. Bref, j'ai même pas envie de lire ça, c'est tellement séquent. Mais je vais lire ça après. Bon, on va quand même lire parce que généralement, quand je lis pas ici, là, il y a toujours quelqu'un qui est là qui vient fouiller les infos, qui fait du copier-coller. J'aime souvent faire ça. Ou encore, donc, il fait à peu près 815 ou encore 700 000 euros qui étaient destinés aux ex-ninjas afin qu'ils reprennent les armes dans le département du Pôle contre le pouvoir, au sein du pouvoir, en soupçonne des traites ayant eu écho de l'opération et qui ont planifié ce braquage. Mais pourquoi certains sucrocrates du régime tiennent-ils une reprise des hostilités dans le poule? Et ce qui est fou dans tout ça, ils disent qu'ils veulent reprendre l'hostilité dans le poule. Donc, eux, dans leur tête à eux, le poule se trouve à pas le jouer. Alors que Brazzaville même là, tout ça, Bila, Wenze, Talay, Makabandjini, tout ça, jusqu'à à l'infini, là. Tout ça, c'est Mpangala. Il faudra me changer ça. Vos histoires, là, vous êtes en train de dire, là, aux gens, ils font exprès. Et tout ça, c'est pour nous chasser de Mpangala à la réelle. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous repousser les limites pour qu'eux, ils prennent aussi Mpangala, toute la ville. Donc, ils ont fait exprès de dire à Brazzaville, et puis, quand on leur dit, mais c'est pas chez vous, oh non, c'est une zone autonome. C'est toujours les immigrés, là, qui racontent des conneries. Faut pas dire la guerre en Mpangala. Et c'est ça qui va faire l'objet de bientôt, là, du haut de comment ça s'appelle ça? Des asiles politiques. Et puis, ce qui est fou dans tout ça, ils pondent un truc comme ça. Non, il y a eu de l'argent qui a été braqué, qui a été fait ceci, pour qu'on puisse reprendre les combats dans le poule. On parle du poule comme si c'était notre pays, comme si c'était notre coin, où il y a des... Mais c'est chez nous, là-bas. Hein? De quel droit, vous, là, vous parlez tout le temps, dire que non, on va reprendre les combats dans le poule. Vous êtes fous? Pourquoi on ne dit pas qu'on va reprendre les combats dans le Niadji ou dans la Buenza ou je ne sais pas, à Oyo ou je ne sais pas. Pourquoi toujours chez nous? Tout ça parce que nous, on ne parlait pas. Et là, quand moi, je commence à parler de tout ça, vous tremblez, vous tous, et vous êtes tous coupables, vous les régions. Aucune région au Congo, vous êtes mauvais. Aucune région au Congo qui se levait là a dit, ah, il y a Baba Chabendo. Battre le poule.
Vous avez fait croire que tout le monde, c'était Mathieu qui avait plus d'argent, c'était Mathieu qui avait amené les ennemis. Mais comment ça se fait que vous êtes tous nombreux là? En temps normal, quand on est unis dans un pays, toutes les régions, le pays là devait être beau. Mais aujourd'hui, malgré que vous avez insulté les Larry, le pays là n'est toujours pas beau. Lesquels qui pleurent? Vous pleurez avec nous seulement. Vous criez là. Alors que vous êtes là. Et quand quelqu'un pousse l'air pour lui, le propriétaire de cette terre, c'est vous qui voulez faire la pancaille. C'est vous, hein, vous là. Voilà. Vous pondez les choses comme ça. Donc, c'est pour faire quoi? C'est pour faire peur à qui? C'est pour faire peur à qui? Ah, les choses vont encore reprendre. Nous, on vous a dit ceci. C'est que vous retenez bien. Vous écrivez ça. Vous faites tout ce que vous voulez. Que vous soyez prêts. Que vous ne soyez pas prêts. Que vous ne voulez pas qu'on parle de... Nous, on s'en fout de ça. C'est-à-dire que nous, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous pouvez venir la nuit, le jour, la journée. On vous attend. Et le but final ici, c'est-à-dire que là, vous êtes là, non? Quand nous sommes calmes comme ça, il ne faut pas nous chercher. C'est-à-dire que nous sommes tous calmes, tous autres à la bine. Bon, le cabisouté. Bilo kaboye. Je ne sais pas qui pense ça. Le pouvoir. Le pouvoir, là, comment on l'appelle déjà? L'embauché. Et c'est la kambala, il y a souk. Parce que ces histoires-là, j'entends ça tous les jours. Et c'est la mbala souk. C'est la dernière fois que j'entends encore. Que non, on va aller faire un dialogue dans le pool. Que non, on a donné de l'argent au Nidia pour reprendre la guerre. Oh non, on a fait ce type dans le pool. Oh non, on va se rassembler. Oh, écoute. On vous a dit que le problème du pool, hein, des meurtres qu'il y a eu là, c'est nous qui allons s'occuper. Les BMB, déjà, hein, vous allez payer, vous les BMB, vous allez déjà payer les repas. Je ne dis pas ça pour blaguer ici. Il n'y a pas de sociétés. Les Mboshi, vous allez payer les repas. Les traites vont payer. La peur du pool, nous, on prend ça. Donc, vous tous, que ce soit les Mboshi ou je ne sais pas qui, on ne veut plus que vous parlez de poule. Vous arrêtez de parler parce que c'est vous tous qui nous avez tués là. Vous arrêtez de parler de ça. Parce que c'est devenu votre apanage. Bon, le problème de la poule, bon, on va appeler les sages de... Vous allez appeler les sages de qui? Ah, ça m'a tout vu. T'attends ça. Ah, mon nom, t'es le coup. Accident de travail. C'est la dernière fois, écoutez bien, transmettez le message à qui de droit, on ne veut plus entendre des histoires. Oh, le poule, on a payé pour les dieux. Oh, on va se retrouver. On ne veut plus entendre ça. Vous venez la nuit, vous venez la journée, nous sommes prêts, on va vous taper cette fois. C'est-à-dire que là où vous êtes là, non? Les régions, là, comment on appelle ça? Niari, Bouenza, les Koumou. C'est ce qu'on appelait Nibolek. Parce que les gens pensent Nibolek, c'est ça. Non, Nibolek veut dire Niari, Bouenza, les Koumou. Ils sont mis à trois pour faire Bangal. Ils ont dit que c'était entre eux, alors que c'était pour qu'ils soient gros pour nous éliminer. Sachez que n'importe quelle tribu là, qui va essayer de toucher une tête d'un pain, c'est-à-dire que là où nous sommes là, non, nous on attend que ça. C'est tout ce qu'on attend. Nous on ne veut plus, c'est-à-dire que c'est la dernière fois qu'on voit encore les... Donc vous tous là, qui êtes dans vos news là, vos informations là, la con, on ne veut plus que vous parlez du poule. C'est tout. Trouvez vos informations ailleurs. Ne parlez plus de nous. C'est tout, hein. On ne veut plus qu'on parle de nous. Ne parlez plus de nous. Bande hypocrite. Vous voulez aller parler là-bas, c'est-à-dire que Wakampini Ben, vous allez là-bas, vous prenez vos trucs là-bas, vous allez dans leur chaîne, vous parlez du poule là-bas. Ça fait, mais c'est ça, ça. Moi, quand même, ça me trouve dans un an. Mais ça m'a mis à user. On n'a plus rien à se dire. C'est-à-dire que nous, on est là, les Congolais là, Mourubita là, on vous regarde. On attend ce que vous allez faire. On va encore voir ici. Arrêtez de parler du poule.
venez encore trouver des raisons ici. Parce que c'est ça qui donne les raisons ici à vous tous ici. Où vous êtes venu m'accuser ici, Kaye avait vendu. Ni mimi, ça ne pas qu'il y a des raisons bien. Mien, c'est ça. Dans le coup, vous ne pouvez pas jamais parler politique là-bas. Là où vous êtes, vous tous. Donc vous êtes obligé de parler du poule pour que votre politique ait du sens. On ne veut plus que vous parlez du poule. Terminé. Si vous voulez qu'on parle de quelque chose ici, on parle de la fédération, on parle de comment être fédéré, on parle comment nous allons avancer. Ça, on met ça de côté. On va s'occuper de ça en justice. Au niveau de Mpangala souverain, au niveau du conseil de Mpangala, nous avons des juges, nous avons des avocats qui vont s'occuper de ça. Et personne ne va parler. Personne ne va parler. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il sorte, qu'il sorte. Mais là, vous êtes là. Vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes colonne. Je vais vous tester ça. Ah, pardon. Ah, ils sont fâchés là-bas, quoi. On vous dit de faire le fédéralisme pour qu'on soit bien. Vous êtes en train de chercher à tuer les gens. On va vous taper là-bas, bien. Bien, on continue. Avant d'arriver à notre affaire, là. Hein? Mathurin Sassou Denié. T'es attendu ça. Mais moi, la bacalao, tombé deux fois en deux semaines. Sassou Mathurin Denié se dit poursuivi depuis un mois par le fantôme de Pierre Onga. Yoka et Bembe, il y a Pierre Onga et Zolanda Kaye. C'est pendant le monopartisme que le capitaine Pierre Onga a été neutralisé dans la forêt de Kinongo, dans la cuvette ouest, alors qu'il était rentré en rébellion. Contre Denis Sassou Nguesso, près de 40 ans après, son fantôme serait en train de hanter les nuits de l'actuel président du Congo. C'est au point de tomber désormais bêtement en public. C'est ce qu'aurait confié le dictateur congolais à ses féticheurs. En Gaïla. Bon, moi aussi j'aurais appris qu'il ne dort plus la nuit. Et puis vous avez remarqué, il y a des images de lui là. Il est tombé, hein, dans les aéroports, il tombe. Mais d'un côté aussi, c'est la vieillesse. Le gars, c'est un vieillard. C'est pas un vieux, c'est un vieillard. Il y a la différence entre vieux et vieillard. Il y a quelqu'un qui bobe. Il y a une dame qui bobine. Et qui bobe, il y a qui zobe, qui bobe, qui zobe. Parce qu'on tombe normal quand on est vieux, on est vieillard. La Bible dit respecter les cheveux blancs. Mais lui-même là-bas, même les cheveux blancs, il ne veut pas les respecter. Il met tout le temps le yombo. Yombo la yombo, yombo la yombo. Il noircit les cheveux là-bas parce qu'ils ne veulent pas vieillir. On connaît, on vous connaît. Donc, on a dit qu'il fait caca partout. On a dit là-bas que non, il voit des fantômes partout, des gens qu'il a tués. Au monde. Bateau, bon, maka, pas au land. Makile, landaka. Surtout pour les petits sorciers là qui sont en train de faire du mal les gens. Pour les petits sorciers là. On va vous mettre à nu. Hein. Oui. Kumbajilouba, hein. Kumbajilouba. Donc, ça sous là-bas. Numbashi donc, il dort plus. Il dort. Alzheimer. Donc il tremble là-bas. Surtout quand tu l'entends cailler en train de parler ici. Mais moi, toi, avec les bénis. Parce que je ne sais pas si là, vous êtes là. Si vous réalisez que vous avez fait du mal aux gens de poule. 40 ans. Donc, vous n'arrivez pas à réfléchir. Au bout de 40 ans, vous n'arrivez pas à vous libérer. Pourquoi? Vous pensez que c'est comme ça, seulement du jour au lendemain. Bon, on vient là, on fait la paix. Mais si c'était le cas, Dieu aurait laissé faire ça. Mais si jusqu'à présent, ça ne marche pas, c'est le crime. Vous avez tous commis là. Et en temps normal, non, au niveau de tout le Congo, là, si vous étiez des gens humains,
chacun de vous allez se repentir. Chacun de vous allez demander pardon. Pour dire, ah, même si, mais aujourd'hui, tu peux dire, que non, mais c'est pas nous, c'est pas tous les BMB ou c'est pas tous les machins, c'est pas tous les mochis, c'est pas nous. Mais le simple fait que tu fais partie d'une lignée, tu es touché indirectement. Donc, même si tu n'étais pas là-bas, mais vous n'êtes jamais, en temps normal, si vous avez fait l'unanimité tout le pays, et dire un stop au poule, Dieu aurait même pardonné. Mais même là, vous arrivez à nier de vous-même, au fond de vous, dans vos mentales, dans votre mentalité. Vous niez votre ethnie, vous refusez d'où vous venez. Mais même quand on vous restait en Bangala, quand vous êtes tous là, Bangala n'a même pas avancé d'un iota, à part la critique, à part les insultes, à part chercher à faire du mal. Depuis que vous êtes arrivé là, Bangala, il n'y a que la guerre. Si nous, on n'avait pas Dieu, il y a longtemps que vous nous aurez fait. Mais demandez à Mathurin, demandez à Sassou. Il ne comprend pas pourquoi on est là. Il ne comprend pas. Nous, on vous dit, moi, je vous dis clairement, vous avez tué chez nous. Et ne pensez pas que parce que vous avez, vous êtes en train de faire votre politique, là. Oh, moi, non, non, non. Tant que vous avez tué chez nous, non. Vous n'allez même pas arriver à part le bruit. Et sachez que, même si on vous paye pour l'argent, c'est l'argent du sang que vous êtes en train d'utiliser. Donc, indirectement, inconsciemment, vous êtes tous coupables. Et ce qui est dommage, vous ne pouvez pas être béni parce que non seulement vous n'arrivez pas à reconnaître la bénédiction, parce que vous venez tous ici là, vous priez, tellement pour que le pays soit en paix. Vous n'arrivez toujours pas à reconnaître, vous, les autres ethnies là, à reconnaître la bénédiction que Dieu vous a donnée. Dieu vous a fait don. Dieu vous a doté des terres. Mais tellement que vous êtes aveuglés, envieux, insouciants, inconscient envers les gens d'un parent. Vous devenez aveugle, vous ne voyez même pas. Même quand on vous accorde la connaissance, vous n'êtes pas capable. Nous, les gens d'un parent, on a dit non, on ne traînera plus jamais. Vous n'aurez plus jamais rien de nous. On va vous montrer que Mbangala nous a pas. Vous avez traité les gens de Mpangala d'idiot. Oh, les Lari, c'est des sauvages. Les Lari, c'est pas moi, je suis Lari. Vous voyez la version 5.0. Attendez maintenant les autres générations. Ce sera encore pire. Si vous ne sortez pas de Mpangala, nous allons être tribal avec vous et on va vous détester. Parce que là, vous êtes là, que tu sois, c'est pas ton père ou c'est pas qui. Là, vous êtes tous conscients autant que vous êtes. Vous avez fait mal au poule. Ah oui. Donc, nous allons rentrer dans l'affaire Ndenge. L'affaire Ndenge. Ndengelino. Mais avant ça, Bunda Tumanaba. Parce que Yannif, on a mouillé. Yannif, Ndenge, cherchez-le-moi, s'il vous plaît. Ndenge, tchou, 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 tchou. Cherchez-le, cherchez-le. Cherchez-le. Bon, Luka, écoute. Tagadeng. Tagadeng aussi, ça se. Alors toi, de toute façon, toi, tu es toujours au courant. On m'a même dit que tu ne regardes même plus mes émissions. Hein, Sassou? Bah, même si tu as la sous, mission l'a raté. Il paraît que ça te donne le mot de tête. Il paraît que ça te dit là-bas que moi, je raconte n'importe quoi. Des trucs comme ça. Donc, toi, tu évites ça. Mais il faut venir regarder, mon cher. Faut regarder. Vous avez tué chez nous. Sassou, ça dit que la vérité ici, non, c'est que tu as tué les gens. Non. C'est-à-dire les mochis, non? Oubliez tout ce que vous êtes en train de raconter là sur la politique, oh, le pouvoir. Non, non, non. Vous avez tué dans le pays. Vous voulez parler du pouvoir, sachant que le pouvoir que vous voulez là, vous voulez tous être des députés, des présidents, des ministres chez nous en pays. Et vous savez que vous avez fait exprès de tuer tous les gens en pays. Les gens en parlent. Il n'y a personne au Congo. Ah, je dis bien au Congo. Qui peut dire ici que Kayi n'est pas légitime. Moi, je ris parce que vous fermez vos gueules parce que vous savez que chacun de vous va les développer là-bas. Nous avons des papas dans le Niadi, des mamans dans le Niadi, surtout dans la Lekoumou, chez les Badondo. C'est des gens qui sont très, 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 très... Oh, Badondo! Badondo, ouais! Gouna!
dans la Lekoumou là-bas. Il y a des cadres là-bas. Les gens de la Lekoumou ne sont pas comme les bébés. Les gens de la Lekoumou. Oui, les bébés, c'est les plus sauvages là-bas. Quand je leur dis ça, ils sont fâchés. Ça vous apprend. De toute façon, les gens de la Lekoumou, les Badondo, les Bakamba, les Batsangi, tout ce monde-là, ils savent. Pas ça, le comportement. Ah oui, oui. Non, mais Koumou a béni, là. Et là, vous êtes tout dans le monde. Vous êtes comme le diabète. Le combat là, donc, oh là là. Donc, on écoute d'abord, pour notre monde là-bas, on attaque l'affaire Ndenge. Ndenge, Ndenge, taguez-le. Panza, panza, mona la mona, panza, eh, ma ponekene, basa baka.
passé. Taguez-moi Ndenge. Ndenge à la barre. Ndenge. Ndenge à la barre. Quand François Ndenge, Sarah Ndenge. Jean-François Ndenge. Ndengelino. Ah, Ndenge. Ndenge, Ndenge. Tu sais, c'est quoi ce qu'on appelle l'éthique d'une nation? Ndenge. L'éthique d'une nation. Vous savez, tout ce qui se dit là n'est que le fruit de votre façon de faire. N'est que le fruit de votre bêtise acharnée, notamment les crimes que vous avez eu à perpétrer. Et tout ceci rime à ce que vous savez que là, vous êtes là, vous pouvez voler autant d'argent que vous avez là. Mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux parce que jusqu'à présent, vous êtes dans le déni total du mal que vous avez fait. Vous avez cru qu'il n'y aurait pas d'autorité de Mpangala. Ils vont vous arrêter. C'est pour ça que vous êtes des... Donc, aujourd'hui, vous vous comportez. On voit bien la sauvagerie de ce que vous avez. Donc, vos façons de faire se reflètent dans la société du Congo d'aujourd'hui. Parce que le Congo, c'est un gros mensonge flagrant. On sait par son nom qui est la lettre C. Et c'est curieux, je trouve ça assez aberrant, hein, de mon point de vue, que vous puissiez vous accrocher sur des terres qui ne vous aiment pas. Déjà, rien que naturellement parlant, comment vous vivez là-bas, ça ne rime pas parce que rien que la terre Congo vous a refoulé. Même les animaux là-bas ne vous aiment pas. C'est-à-dire que s'il y a une chose que vous devez comprendre, vous tous au Congo là-bas, nous non, nous les Larikongo, on n'aime pas ça. Donc, on tikala jamais qu'on n'a jamais de la. Et à cause de lui, Toyini Bamboshi. Toyini Bino. Parce que Bino, vous l'avez laissé faire. De temps en temps, vous venez, oh mon ensemble, c'est... Non, 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 non. Il n'y a pas de on ensemble. J'estime que si vous étiez ensemble, il n'y aura aucune tribu qui n'aurait laissé faire ce que vous avez fait à nous autres. Vous tous, vous êtes des complices. Donc, on ne prenait pas ça mal ici. On vous dit, attention à nous, là. Vos petits commentaires à la con que vous faites sur les réseaux sociaux, là. Oh, c'est une tribu, c'est un dialecte. Vous avez tout fait, mais vraiment tout fait pour nous dénigrer. Jusqu'à nos langues. Nous, on n'a jamais dénigré personne. C'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. Les BME, vous avez fait commis une grave erreur d'être venu ici. J'espère que vous, maintenant vous comprenez que en ce qui concerne Mpangala, je n'ai pas de choisir. Et là encore, non. Je n'ai pas encore commencé à frapper. Là, non, c'est les paroles. Et quand je prenais les décisions adéquates, que ce soit spirituellement, physiquement, partait. Et c'était d'ailleurs... ça va pas tarder. Pour les sortir. Je vais vous mettre dehors. Vous allez voir. Mpangala, vous ne touchez plus. Chacun chez soi. Chacun chez soi. Bien. On attaque. Ah, ok. On va rentrer sur WhatsApp ici. Qu'est-ce qui s'est passé réellement face à cette situation de Ndenge? Nous allons aller au commencement de ce commencement de ce commencement de ce commencement. Mais avant ça, comme d'habitude, les nouvelles sont moroses. Il y a eu beaucoup de crimes. Il y a eu aussi un crime là-bas d'un jeune garçon. Nous allons revenir sur ça. Les photos sont très atroces. On va parler de ça. Et notamment, le lieutenant qui était chargé pour l'affaire, là, il a parlé aussi. Mais on va revenir au début de l'affaire de Ndenge. Il s'agit de sa fille. Chourou chez sa fille chérie. Chouchouné le chouchouné.
qui est allé là-bas parce que là-bas, les Mboshi, parce que les Mboshi, vraiment, Binoma Mboshi, je vous comprends. Nenge, tu sais ce qu'on appelle l'éthique, avoir l'éthique, être respectueux. Regarde, regarde. C'est quoi? On va chercher ça un peu sur le top. Là. L'éthique, c'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est quoi? On va chercher ça sur Internet. Éthique. Éthique, oui. Voilà. Voilà. Éthique. Science de la moralité. C'est la moralité. Ensemble des conceptions morales de quelqu'un, d'un milieu. Hein? C'est quoi l'autre? C'est quoi le manque d'éthique? Une personne non éthique est une personne qui agit contrairement aux principes de la cartelle ou de l'environnement dans lequel elle est insérée. Naturellement, ici, en France, ou partout, là où les Africains sont partis, ils n'ont pas su s'intégrer. C'est-à-dire que vous, non. Là, vous êtes là. C'est-à-dire que surtout vous, les Congolais, puis quand j'ai mis le télé. C'est une façon aussi de vous éduquer. Plus vous êtes mauvais, plus vous n'acceptez pas ce qui se passe dans votre... Parce que vous, là, vous êtes là. Vous avez tous fait un déni moral de ce qui se passe dans votre pays. Plus vous n'acceptez pas ce qui se passe dans votre pays, vous serez bloqué. Parce que c'est spirituel tout ça. Vous serez bloqué mentalement, moralement, même au niveau des finances, au niveau des idées. Vous allez passer votre temps à plager sur les autres. Vous allez passer votre temps à envier les gens. Vous allez passer votre temps à chercher à plaire aux gens. Pour qu'on dise. Parce que pour la plupart d'entre vous ici, là, moi, je vous ai remarqué, je vous ai trouvé quand? L'histoire ici, en réalité, non. C'est votre problème de leadership. Vous ici, vous êtes là, vous faites la lutte ici de fois avec Kaï. Parce que vous dites que oh, peut-être Kaï va être aimé chez les gens. Non, non, non. Moi, je suis naturel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chez moi. Moi, je suis authentique, moi, chez moi. Mais contrairement à vous tous, jusqu'à présent, je n'ai pas vu même pas un fils de n'importe quel étranger, de n'importe quel pays, qui s'est levé là pour dire « Ah, il est temps qu'on puisse gérer un peu chez nous parce que les parents nous ont montré. » Il n'y en a pas. Jeunes comme vieux, ils viennent nous parler de les Souba, ils viennent nous parler de je ne sais pas qui, des histoires au con, tout ça ou dans le pool. Eux, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à dire. C'est comme s'il n'y avait rien. Et vous savez, non? Quand tu regardes aujourd'hui le Niadi, la Bouenza, la Lekoumou, ça l'était qu'on connaît. Et là où c'est sale, c'est souvent reconnu que c'est pour les sorciers. Donc, aujourd'hui où nous sommes là, il y a un manque d'éthique morale. C'est-à-dire qu'on voit des gens immoraux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'éducation de base. Il n'y a rien à dire, ça se voit. C'est-à-dire que tu sens que Nengue, déjà, un, il n'a pas fait des études, c'est un illettré. Il est devenu général par la force de choses parce qu'il a tué des gens. Et là où il est là, personnel non ingrata en Europe parce qu'il a une plainte contre et disparu et, du beach et le génocide aux poules. Lui, au moins, il a sa plainte à lui. Les autres là qui sont cachés là n'ont pas de plainte. La raison pour laquelle ils ont fait du mal aux gens de poules, ils ne voulaient pas que nous on porte plainte. Vous avez vu dans les opérations, moi, ce qu'ils ont dit là-bas. Donc, vous êtes mal éduqué. Et comme on dit chez nous, mal indiqué, mal indiqué, mal élevé. Bon, on va revenir sur ce jeune-là tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? La petite Ndengelinette. La Ndengelinette. On écoute d'abord ce qui a déclenché parce qu'elle a un mari portugais. Elle allait épouser un faux blanc. Son mari là aussi, il faut le taguer. Il faut taguer son mari là. Taguez-moi le mari de la fille de Ndengue là. Taguez-le mari. Bien. Voilà où ça commence. Ah, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi ça. Oui, allez-y.
Donc, je vous appelle pour vous dire déjà que. On va commencer au début. Oh là là, maman, ça m'a goût, ça m'a botte quoi. Vous êtes tous au courant de l'affaire de Ndengen. Commencez-vous déjà. Puis l'une de ses copines qui est allée chercher quelque chose au niveau du passeport et tout ça. Donc elle a commencé à être impolie parce qu'elle connaissait les Ndengue, elle connaissait les gens, tout ça là. Donc le greffier qui était là a dit non, comme tu as été impolie, nous allons plus te servir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la fille de Ndengue. Puis de Ndengue, comme elle se dit chef, hein, cela. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fut un moment, Ndengue, après la guerre de 97-98, quand tu voyais Ndengue, quand tu voyais le cortège de Ndengue, tu avais l'impression que c'était Sassou qui était là. Il avait le même cortège que ça, donc il se prenait pour le président. C'est ce qui s'est passé à un moment, Sassou était devenu jaloux, il a dit à Ndengue d'arrêter ça. Mais sinon, il avait le même cortège. Hein, que Sassou. Donc, sa fille appelait... elle s'est fait voir que c'est la fille d'Ndengue, tout ça, machin. Et donc, elle appelait le greffier. Et par ricochet, elle a commencé à blâmer le greffier après la fille, elle a mis, on dit qu'on va plus te servir. Et par ricochet, le mari de la fille d'Ndengue, un Portugais comme ça, hein, vous voulez, parce que eux, ce sont les épousés, les blancs, parce qu'eux, ils savent là où les filles de Sassou, là, eux, ils savent là où ils sont là. Il n'y a aucun Congolais qui peut les épouser. Vous, les filles de Sassou, Sassou a gaspillé votre vie. Hein. C'est-à-dire qu'aucun Congolais peut encore s'hasarder avec vous. On ne sait jamais, peut-être vous avez hérité des choses bizarres de vos papas. Là. On ne sait jamais. Parce que vous avez le sang là, le sang de Sassou, là, pardon. C'est un sang de démoniaque. Pardon. Donc, on écoute au début, là. Sortir. Je leur donne ma tête d'identité. Il m'a dit que c'est leur travail. Ils sont eux-mêmes. Ils sont pas. Non, madame, je vous en prie. Il y a votre chef qui veut parler avec vous. Donc, c'est comme ça dans ce pays-là. Oh, c'est le chef qui veut te parler. Oh, ceci, cela. Donc, elle, parce qu'elle connaissait la fille de Ndengue. Donc, vous voyez, même dans les commentaires derrière, on entend quelqu'un, vas-y, qui m'arrête même, qui me mette mes notes. Donc, Naloma, Mboke Komaya Bango, Bamboshi. Vous voyez, les dégâts, l'éthique d'une nation. Donc, il va lobbyer, on voit votre façon de faire, les Mboshi. Il n'y a rien à dire, vous êtes chez nous. Vous devez quitter là. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Donc on continue. On voit maintenant la deuxième partie. Là où le monsieur là, le mari là, a appelé là-bas. Le mari qui s'est cru, je ne sais pas pour qui. Yannick Atambanza dit, faut me le tag. Le mari là de Ndengue là. De la fille de Ndengue, de Sarah, là. Monsieur, sache que quand tu parles là-bas, retiens bien ceci. Quand tu parles, faut l'envoyer le live. Moi, on m'appelle le gouverneur de Mpam. Donc, là où tu es venu parler là, je vais envoyer quelqu'un là. Sache que le pays là où ils sont, Ndengue, la fille de Ndengue, de Sassou, où tu crois que tu es au niveau de la famille présidentielle, non, ils ne sont pas. C'est des usurpateurs, c'est la dictature. Toi, là où tu es là, tu n'as pas le droit. Même, ça dit de vous faire un « i » chez nous. Donc, toi aussi,
pour faire tes affaires déjà avec eux. Voilà. Ça, c'est le mari. Oui. Ça, c'est le mari. Donc, il est même venu là-bas avec un pistolet. Voilà un étranger qui se... Pas oublier les bains. C'est grave. On écoute. Donc, je vous appelle pour vous dire déjà que je vais chercher là où vous habitez. Oui. Je viendrai vous voir personnellement en tant que homme. Oui. Parce que j'estime que quand vous êtes représenté la loi, il y a des teneurs vis-à-vis des personnes en face de vous, surtout vis-à-vis des femmes. Et je ne tolère pas, en tant que homme mari, je ne tolère pas que ma femme soit brutalisée verbalement et qu'on arrive jusqu'à même de lui mettre dans une cellule, sachant qu'elle vient dans ses droits, j'ai recours à des services qui ne sont pas gratuits. Et je vous dis que vous avez eu la chance que je ne vous ai pas croisé au bureau. Parce que j'étais chez vos bureaux, vous avez eu une chance et je vais tout faire pour vous voir personnellement en face. Vous pensez que vous êtes un homme qui peut brutaliser une femme, mais cette femme-là est un mari. Vous avez fini. Je vais chercher là où vous travaillez. Parce que moi, je ne viens pas faire des tapages dans les lieux publics dans les lieux professionnels de là où vous travaillez. Mais personnellement, je viendrai chez vous à la maison. Mais pas de souci. Je ne vous fais pas peur. Hein. Mais merci de voir, pour votre appel. Je n'ai pas besoin de vous faire peur. Moi, voilà. Je ne vous appelle même pas pour vous faire peur. Je vous dis mais vous m'appelez pourquoi? Vous m'appelez pourquoi? Je regarde. Mais c'était pour vous passer le message. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous renvoie également le message que vous ne me faites pas peur. Que ça soit de jour comme de nuit, il n'y a pas de souci. Si comme je ne vous fais pas peur, oui. Comme vous êtes sûr de vous, donnez-moi votre adresse. Il n'y a pas de souci. Mais venez à mon bureau. Vous connaissez mon bureau, venez. Non, ça c'est un lieu, ça c'est un lieu. Arrête ça. Donc les étrangers peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, ce n'est pas un cas isolé parce que quand tu es au niveau de Brazzaville ou de Pangala, les commerces là-bas, vous avez remarqué, ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest, les Ouara et tout ce monde. Là-bas, quand un Ouara, un Africain de l'Afrique de l'Ouest se permet eux deux fois, ils ont violé les Libanais, tout ce monde, ils ont violé beaucoup de nos filles de Pangala. Pour la plupart des boutiquiers là-bas, quand tu les touches, ils ont tous le numéro de Ndenge. Donc, ils sont protégés par Ndenge. Ndenge protège la mafia parce qu'il ne faut pas oublier, dans les boutiques, là, chaque magasin qui est là-bas au Congo, là, la famille Nguesso a 1%. C'est la mafia. C'est-à-dire que si tu veux t'installer là-bas, tu dois toujours payer. Donc, eux, ils payent leur pourcentage auprès de la mafia de Ndenge. Voilà pourquoi vous voyez que les gens de l'Afrique de l'Ouest, comme ils sont de la même origine, ils ne sont jamais touchés. Et vous, vous avez l'impression que ce sont les étrangers. Non, eux-mêmes d'abord, les Ndenge, c'est des étrangers. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, là, c'est le mari de la fille de Ndenge et de, qui est en train de menacer les gens. Avec, il est hautain, il est dans un pays étranger, il ose dire, je viendrai chez toi. On continue, on n'a pas encore fini. Donc ça, c'est le début. Avant que cette histoire puisse s'en venir. En passant. J'ai oublié de vous dire. Juste, vite fait. Petite nouvelle. Hein? Nouvelle vite fait. Au cas où, Nibolek. Ça, c'est Stella Sassou. Ça, c'est Jérémy Lissouba. Ils vont se marier bientôt. Vous êtes au courant de ça, non? Azobalan, Jérémy Lissouba et Stella Sassou sont en train de se marier. Les Nibolek, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est juste, je vais vous faire écouter l'audio même, bientôt. Donc, on continue. Donc, comme ça s'est envenimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un Camerounais. Là, on parle ici de l'international. Donc, au Cameroun, un Camerounais indigné face à cette affaire-là. Donc, Ndenge, le Camerounais, monsieur, indigné totalement. Ndenge menacé. La menacé. Donc, tu vois Ndenge, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous levez là, vous vous fâchez contre les Congos ou les Congolais, vous êtes des idiots.
quand une affaire comme ça traverse l'international, passe au problème qui concerne le pays, c'est grave. Ça prouve là, votre manière de diriger le pays est caduque. C'est même pas diriger. Est-ce que même de diriger ça? Je sais même pas comment on va appeler ça. On écoute. On écoute. Très chers amis, bonsoir. Je voudrais demander à toutes les personnes qui sont au Congo-Brazzaville et qui ont déjà été victimes d'une gangster qui s'appelle Sarah Ndenge, la fille du général Jean-François Ndenge. Selon les informations que nous avons, son père, c'est un autre criminel qui passe tout son temps à faire du chantage au président Denis Sassou Nguesso. Ce que nous voulons dire aux autorités du Congo-Brazzaville, c'est que nul n'est au-dessus de la loi et on ne peut pas se permettre, parce qu'on est fille d'un général, de venir mépriser les fonctionnaires de la justice. Et cette gangster de Sarah Ndenge doit savoir que la justice est censée être indépendante. Donc, que son père soit général, ou même si elle était la fille du président Sassou Nguesso, elle devrait plutôt montrer l'exemple. Hein? On ne vient pas agresser des magistrats, des greffiers, dans leur lieu de service, parce qu'on est la fille d'un sulfureux général qui lui-même passe tout son temps à menacer ses collègues, à menacer des personnes qui s'opposent à lui, à faire du chantage au président de la République. Alors, je voudrais dire à la gangster Sarah Ndenge, que nous avons déjà suffisamment d'informations sur elle, mais nous allons regrouper. C'est pourquoi j'appelle toutes les personnes, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, que ce soit des informations sur Madame Sarah Ndenge. Je pense qu'elle était à l'époque mariée avec Bashir Camara, et elle est actuellement mariée avec, toujours à cause de ce comportement de délinquante, elle n'a pas pu tenir un foyer. Aujourd'hui, elle est avec un Libanais. Et il est dans des affaires de mafia avec ces Libanais. Nous savons que les Libanais, pas tous les Libanais, mais plus certains Libanais sont impliqués dans beaucoup de trafic, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Qu'elle se permet d'avoir du mépris pour les fonctionnaires de la justice. Donc, il est important que le président Denis Sassou Nguesso frappe du poing sur la table et pour montrer un exemple que Madame Sarah Ndenge Pereira soit arrêtée et mise en détention. Et le général Jean-François Ndenge doit savoir que c'est des comportements comme cela qui amènent les jeunes de l'Afrique centrale comme nous autres à nous révolter et à vouloir renverser ces régimes. On ne peut pas admettre que la justice qui est censée être indépendante, que la fille, c'est-à-dire que ce n'est même pas le sulfureux général Jean-François Ndenge lui-même, mais que sa fille se permette d'aller au parquet et de manquer du respect aux gens au parquet. C'est inacceptable. Et nous allons montrer à Jean-François Ndenge et à sa gangster de fille que s'ils ont pour habitude d'intimider les gens au Congo-Brazzaville, ils n'intimideront pas tout le monde. Et si M. Jean-François Ndenge ou sa gangster de fille veulent savoir qui je suis, ils n'ont qu'à se rapprocher des autorités camerounaises pour savoir qui je suis. Et je suis pareil à toutes les situations parce que je suis suffisamment informé sur les méthodes criminelles de M. Jean-François Ndenge et sa fille. Donc, je vous appelle. Tous ceux qui ont des informations sur Sarah Ndenge Pereira, écrivez-moi. Laissez-moi des messages sur TikTok. Je laisserai mon numéro WhatsApp. Vous pourrez aussi m'appeler sur WhatsApp ou me laisser des messages sur WhatsApp. Nous allons faire un gros dossier et un live sur cette délinquante, en réalité une petite gangster, cette Sarah Ndenge Pereira. Très bientôt. Bien. Donc ça sort de l'Afrique centrale. Donc, ta renommée a dépassé les limites, mais pas dans une bonne façon. Mauvaise façon.
les réactions face à cette affaire au niveau de la République. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Les jeunes, les Martial Panucci, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. J'ai même pas retenu pas mal de choses ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau du gouvernement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, face à cette affaire? Parce qu'apparemment, Ndenge fait profil bas. Je sais que quand il va sortir là-bas, il va venir faire l'orgueil. Oh, Donc, pour l'instant, il fait profil bas. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est la distraction des moches qui vendent les terres en ce moment. Yoro et tout ça. Donc ça, c'est une autre affaire. On va parler de ça, mais il y a plus grave. Déjà, quand vous voyez ça, ce sont les réactions des gens incompétents. Une honte monumentale. Heureusement que nous, nous sommes en Pangal. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont pas bio. Ils ont pas même femme. Yuma. Voilà. Voilà ce que je dis. Le procureur de la République adjoint vient de placer sous mandat de dépôt le capitaine Wanga Mboshi, commandant de la GRB, le frère de Sarah Ndenge à la maison d'arrêt de Brazzaville ce matin. Donc on a placé juste son frère, on n'a pas encore entendu là-bas que Ndenge, la petite Ndenge a été placée. Mais eux, ils s'en foutent. Parce que eux, ils vivent dans l'impunité totale. Ils sont où? En Pangala. Comment ils se comportent? Ils sont que ce n'est pas chez eux. Et c'est toute la gang de la République du Congo qui a repris cette histoire. On s'indigne, on interpelle la fille de Ndenge, sachant qu'il y a des guerres. Regardez. Pendant que la fille de Ndenge fait la Java, pendant qu'on fait la Java là-bas, regardez ce qui se passe au pays. Regardez. Voilà. Vidéo. Voilà. Ça? Ça, c'est un phénomène qui date des millions d'années. Et les histoires de Ndenge, des choses, il y en a tout le temps. C'est-à-dire qu'avec les Mboshi, on ne peut jamais se reposer s'ils n'ont pas sorti autre chose. Regardez vous-même. Récemment, c'est lui qui était sorti là-bas, Ndenge, qui est allé chercher à menacer les gens du quartier d'abord. C'est lui. Quand ça a raté, parce qu'il voulait faire tuer les gens avec leur histoire de recrutement de l'armée, là, ça a raté. Les voilà là. Encore un autre scandale. Et nous sommes derrière ça. Alors que le plus important, c'est ça. Mpangala, Samounimi. Matubi, Matamou. Émergence. Émergence 2025. Ça, c'est à Bakongo. Là où est né Brazzaville. Nous sommes à Télé-Congo, taxi Télé-Congo. Ça, c'est le nom de la SND. Voilà. Non, c'est... Ça, c'est bien. On a déjà parlé de ça, de Tanja Bachir. C'est tout ça qui continue. Quand j'écoute les réactions de cette affaire, parce que tout le monde est indigné. Tout le monde est indigné face à cette affaire. Dengue, là. Il y a une indignation qui circule, qui court les rues. Comme ce monsieur-là, ce jeune-là. Je vois souvent dans les réseaux. Et Salingaï Mawa, Sarah Ndenge, tu te prends pour qui? Sarah Ndenge, au fin d'ici, va continuer son. Il y a Congo pour la sa ville. Sarah Ndenge, au fin d'ici, va maman Nyoso, il y a pour la sa ville. Congo pour la sa ville, ça paye mon corps respectueux. Mais il y a moi, il y a soi-disant un général. Premièrement, Sarah Ndenge, on finit ici na papa na yo. Congo Brazzaville, Dozana Matanga, ça m'a fait très mal. Papa na yo, général Ndenge à l'obakate. Ceux qui va soda va kenge la ka général Ndenge. Parce que mi bec on dépense ça va soda. Bon, je vous laisse, parce que tout le monde a suivi ça. Mais tout ce qui se passe là-bas, c'est le fruit. Sur cette affaire-là, il y a beaucoup de réactions. Beaucoup. Notamment, derrière cette affaire-là, pendant qu'il y a cette affaire-là, il y a ce jeune-là qui a été tué. Ce jeune-là.
le montrer la photo. Les photos sont atroces. Je ne peux même pas les montrer. Voilà. Dans la même lignée que les Régis Batola et tout ce monde. Les photos des jeunes Congos et Congolais sont nombreuses. Ils sont en train de mourir pour rien. Pendant que ça se passe, il y a ça qui arrive. Vous voyez, il y a aussi... On écoute un peu ce qui s'est passé avec ce jeune-là. Bonjour, bonjour le groupe, bonjour tout le CAOG. Je suis le lieutenant Ota, comment le brigade j'en ai mis le Gamboma. À Gamboma. Je viens pour éclaircir cette situation parce que je suis au centre de cette situation. Quand on parle des gendarmes qui cherchaient, c'était précisément moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier aux environs de 23h, 0h par là, je reçois l'appel d'un indique qui me renseigne qu'il y a eu des gens qui ont d'un groupe de Koulna. Ça veut dire qu'ils étaient un nombre de... Bon, j'appelle ça groupe. Il y a 5 personnes qui ont volé des téléphones et des portables à Brazzaville, des téléphones et des ordinateurs portatifs à Brazzaville, qui étaient dans une boîte de nuit de la place appelée Diamant Noir. D'où, à l'intérieur, ils commençaient même à... Ils ont acheté 6 bouteilles de champagne. À l'issue des boissons, ils ont commencé la bagarre dans la boîte. Et quand on m'appelle, je rencontre comment le compagnie qui nous demande de se rendre sur le lieu pour s'enquérir de la situation. J'ai pris par moi des éléments. Et tant que le chauffeur était malade, il ne pouvait pas conduire avec son pied qui était enflé. Donc je prends le volant. J'ai emmené quelques éléments en armes. Moi-même, j'étais en civil. Je faisais nuit. Et on arrive sur le terrain. Donc, je place les éléments un peu dans un endroit obscur. Je garde le véhicule dans un endroit aussi obscur. Je descends parce que le véhicule en question de dehors, il y a la terrasse. Dès que je rentre à la terrasse là, accompagné d'un jeune homme qui était en civil aussi, nous en ce moment, je suis par rapport à ce que nous faisons dans la localité. Parce qu'une fois, si vous voyez les bébés noirs, vous voyez comme ça, en tenue, ils peuvent fuir. Donc certains viennent en civil, d'autres en tenue. On a eu des journaux de permanence qui étaient en tenue. D'où j'arrive, l'indique me montre le premier monsieur de loin, nommé Neymar. C'est le chef de gang de Koulouna des Américains du côté Combo. Donc Combo derrière la tenue. Cette histoire de Koulouna demeure insolvable. Dans les Koulouna, il y a les bémés qui, eux, adorent se battre avec le Mukwachi. D'ailleurs, remarquez, la plupart des Koulouna qui circulent au niveau du sud sont chez nous là-bas. Donc, ils ne quittent pas le nord parce que les Koulouna ne peuvent pas quitter le nord pour venir chez nous. Ceux qui sont déjà là. Notamment les Zoulous. Et certains Obévilo opèrent la nuit pour nous décimer. Ce que je dis ici, quand je parle ici des tribus Bembe, je parle ici avec des preuves. Donc celui qui pense que je suis en train de chercher à les dénigrer, vous vous trompez. J'attends toujours vos preuves, je vous sortirai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu assez de temps, moi, j'ai pris 7 ans, précisément, 6 ans, 4 ans, où j'ai enquêté sur ce phénomène de Koulouna. Les Koulouna sont sponsorisés par le gouvernement pour semer la terreur, pour semer la zizanie, toujours dans la distraction. Pendant ce temps, eux, ils volent. Et il ne faut pas oublier qu'en faisant ce qu'ils sont en train de faire là, en se rendant ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de détruire des vies, les enfants s'aimaient la peur et c'était les enfants qu'on met là. On nous fait croire ici que c'était un gang, c'était un truc de gangster. Mais comment vous expliquez ça? Toi, un président, ça fait des années, bangala, ça peut se gérer. Que le policier, tu n'arrives pas à éradiquer ce phénomène. Aujourd'hui, ça se retrouve, mais ça s'est répandu où? À Pointe-Noire. Qui est à Pointe-Noire là-bas? Il y a les BMB, il y a les Mboshi. En bangala encore, c'est parce qu'on est là, on est résistant. Sinon, ce serait répertorié beaucoup. Je suis en train d'indexer la tribu Bembe. Quand moi, j'indexe une tribu,
Je n'indexe pas pour le plaisir. Le comportement que vous êtes, que vous appelez, c'est héréditaire chez vous. Le mal, l'hypocrisie, ma maman est mis. Ben, ma bébé, mais que n'a ça comme une bikia, parce que jusqu'à présent, là, je vous dis, je vous parle en termes de famille ici. Je peux mettre vous en main, comment je parle de ça ici, j'ai des preuves de tout ce que je dis. Les Kuluna, c'est un phénomène Mboshi et Bembe. Parce que vous avez les mêmes mentalités et que nous avons un Kouachi. Les Kuluna utilisent les Makwati. Vous êtes vraiment des vrais collabos. Donc, j'ai dit, comme vous vous considérez comme des Bakongo, vous parlez aux sages bébés. Moi, je suis le gouverneur de mon pays. C'est pas un truc, hein, je ne joue pas avec ça. Vous parlez aux sages bébés. À Bembe, je vous dis, Ben Nampangal. Attention. Je n'indexe pas les Badondo, je n'indexe pas les Bakamba, je n'indexe pas les Batsangi. Je vous indexe vous. Je vous, j'ai assez de preuves que vous avez fait du mal. J'ai assez de preuves venant de moi-même. Vous êtes venu me diffamer, c'est vous tous les bébés. Vous êtes des gens ingrats. Donc, vous, les Kuluna, si on attrape, c'est-à-dire que Balabaya est mon roi. On attrape encore un Kuluna en Pangala. On le brûle. Donc, les Kuluna, c'est-à-dire qu'à Brazzaville, comme vous avez appelé, en Pangala, ici c'est le gouverneur de Pangala qui parle. Je ne veux pas entendre un phénomène de Kuluna. Pas d'Ampangala. Sachez que vous, là, vous êtes les enfants des immigrés et nombreux d'entre vous, là, sont des cafés au lait. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. On n'est pas contre les mariages. On n'est pas contre le mélange. On est contre ce qu'on appelle chez nous les nsaloulous. On est contre les bifous, donc les habitudes. On est contre l'immoralité. On est contre... Donc, c'est pas parce que tu es de ta mère est de tel pays, ta mère est de tel machin, que tu peux venir en Pangala parce que ton père est en Pangala. Ta mère est de là, tu peux venir faire ce que tu veux. Non. Dans les familles, moi, je vais papa yandi, moi, je vais vendre la maman. Ah, vous bien, je vais vendre la maman. Ah, maman, je vais vendre la maman. Je vais vendre papa. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est comme ça. Mais, dans un pays, il y a des règles qu'il faut respecter, ce qu'on appelle la loi, l'émotion. Pangala, pangala d'aujourd'hui n'est pas un pangala d'hier. On vous dit. Et ce que je dis ici, vous tous, là vous êtes là, vous êtes au courant de ça. La tribu Bembe, je vous indexe. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous, si je ne vois pas de changement là-bas, vous et nous. Parce que nous sommes vraiment touchés au niveau des Bakongo là-bas. Avec les Bembe, on était comme ça. Vous nous avez tué. Et là, vous ramenez le phénomène de Yakunda Zengaba Mikwati. Kinanjinji est devenu vous avec les Mboshi. Le phénomène de Kuluna. Vous croyez vous avez cru qu'on n'allait pas savoir ça. Vous croyez que moi, j'allais pas être au courant de quelqu'un qui quittait les Kuluna là-bas. C'est lui qui bonne là-bas. Donc, quand on me le montre, je le saisis. Et quand je l'ai saisi, il chercha à s'échapper. Deux éléments sont venus secourir. On a pris le gars à mis à terre. Quand on a mis le gars à terre, et on l'a mis l'outil. On l'a mis l'outil, j'ai dit aux deux gars, prenez-le, emmenez-le là où elle a bégé. Et à un autre qui sort de la boîte, en soutane, nommé Aller-Retour, c'est son surnom, hein, un Kuluna aussi. Quand je viens le tenir à côté de l'épaule, il efface mon bras, il se recule de quatre pas. Il me dit, yo, vinga, t'en a bouma, oh. Je l'ai retenu au bout maintenant. Quand j'avance comme ça, je n'avais même pas l'idée qu'il peut avoir l'arme. Le gars soulève sa soutane, parce qu'il était bien dans une soutane blanche. Il soulève sa soutane, il tire le PA. Il a armé son PA. Dès qu'il a pointé, il a tiré. Dieu merci pour moi, parce que quand il a tiré,
Si c'était à bout portant droit comme ça, là, horizontalement, comment on appelle ça? Oui. Si c'était droit comme ça, je mourrais. Donc, quand il a lâché le cou, dans le cou, c'est tombé carrément sur le béton. Donc, moi, je saute, je tombe de l'autre côté parce que la terrasse, de la terrasse, le goudron s'est séparé de gros pots de fleurs, en fait. Donc, je tombe derrière les pots de fleurs, la balle va ricocher sa pointe d'âme. Une petite qui est en terminale, qui est en terminale A. La balle a pris cette petite. Et moi, lui, il n'a pas encore l'arme. J'ai entendu le mouvement, clac, clac, il a armé encore. Et il dit, wabangou, sinana bangou. Comme il y avait les gens qui étaient sur la terrasse, il y avait la débandade. Là, on a pris les positions. J'étais obligé de marcher à quatre pas jusqu'à aller à un niveau. Je prends position pour regarder la scène et le localiser, comme tout le monde courait de partout, localiser seul pour qu'on essaie de faire face. Le gars tire encore le deuxième coup. Un petit sortait de la boîte. Le petit que vous voyez sur la photo sortait de la boîte, qui était même assis sur la même table avec le gars. Il buvait même ensemble avec le gars. La balle a pris le petit carrément à la poitrine. Il est tombé. Donc nous, on a pu récupérer l'un d'eux. On l'a emmené dans la BG. Le moment qu'on pensait pour venir le laisser, le gars, derrière nous, il tire encore. La balle est rentrée dans la cuisse du portier. Et malheureusement, toutes les balles ne sont pas sorties. Maintenant, quand on arrive à la brigade, je rencontre le commandant de compagnie, je rencontre le commandant de zone, j'appelle le commandant de région. Et à la première nouvelle, on nous a dit qu'il y a eu des blessés. Maintenant, il était question que nous repartions pour aller fouiller, regarder encore. Mais on nous a dit, vous ne pouvez pas repartir parce qu'il y a des tombés. Ça ne sert pas que de repartir. Le commissaire de la police est arrivé, le procureur, le maire est arrivé. Donc, tous les jours, au Congo-Brazzaville, c'est ça. Tous les jours. Il n'y a rien de nous. Pendant qu'ils pensent ça, vous allez dans la ville, dans tout le pays. Vous avez des affiches comme ça, avec l'emblème du PCT. Toujours eux. Parcelle achetée depuis 2011, occupée par le petit-fils du membre du Parti congolais du travail. Donc, le Parti congolais des têtus, PCT, Parti congolais des tueurs, eux maintenant, ils ont le droit de venir en Pangala, payer des parcelles, faire ce qu'ils veulent. Et tout ça, la police, l'indengue, derrière tout ça, vous avez encore quoi? Ça? C'est-à-dire que les dégâts, les morts, il n'y a que ça. Et donc, pour la plupart du temps, beaucoup de gens aimeraient ça, que moi je parle de ça. Oui, c'est important. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la libération. Le problème ici, c'est que vous avez remarqué qu'ils font tous du bruit. Tout le bruit qu'ils font là. Ce n'est pas demain que nous, les gens n'ont pas là. Ils vont nous laisser. Tous autant qu'ils sont. Ils sont quand on parle. Beno Bishimpangala Kaluyayana. C'est-à-dire que eux, non, là où ils sont là, non. Dès qu'ils ont l'occasion, ils frappent quelqu'un n'ont pas. Il n'y a aucun d'entre vous là-bas qui va dire que vous aimez les gens dont on parle. Parce que si vous aimez les gens dont on parle, en temps normal, c'est tout le pays qui aurait dit non, on ne veut plus. Vous faites semblant de dire on ne veut plus, mais vous dites qu'après vous faites semblant, vous dites que oh, c'est dur de l'enlever, c'est très dur. Mais c'est facile d'enlever ça. Qu'est-ce qui est dur? Un pays qui se lève en entier, il peut pas. Et j'entends encore des gens là-bas qui disent bon, on va faire partir sans sous. Bon, le Nord va prendre une partie, là-bas on va donner là-bas le pouvoir au Sud. Après, vous allez donner le pouvoir au Sud pour venir diriger où? Chez nous, en Pangala. On ne vous a pas montré la carte. En Pila, là où ils ont vendu, là. À Euro, là où ils ont vendu. Je vais vous faire voir la carte. Je veux googler ça. Je veux mapper ça. Googler ça. On va mapper ça. Ça, c'est un Pila.
Donc, voyez cette zone. Hein? Il a plus vendu la zone. Zone, il y a une zone. Il y a une zone, il y a une monnaie, il y a une zone. Toute cette zone-là, que vous voyez là, il a vendu ça au roi du Mali. Zone que vous voyez. Là. Donc, proche de, hein, donc, de la grande ville, quoi. Donc, ça veut dire que vous allez voir bientôt beaucoup de Marocains, des machins. Il amène des étrangers. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout, donc, toute cette zone-là, de Mpila, que vous voyez là, la zone que vous voyez là. J'ai mis sur satellite là. Là, vous voyez. La rue là, c'est quoi? Avenue de Marshall Galicien, tu as quoi? Tout ça, c'est encore. Tout ça, c'est sur satellite. Il a vendu toute cette zone. C'est encore quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Imprimerie. Oh, voilà. Voilà. Ayessa, Ayessa. Ça, c'est, il a une imprimerie ici. Imprimerie Ayessa. Donc, c'est ici qu'ils impriment les faux billets. Ici, là, en pila. Là, c'est ici qu'ils font tous les coups. Et même quand on ne peut pas les. Si ce n'est pas ici, c'est à Oyo. Ça, c'est un imprimerie de Ayessa. Est-ce que vous l'entendez encore parler de Ayessa? Soko, mon Togo, il a fait profil. Ouais. C'est chez eux ici. Regardez même la maison, là. C'est la piscine. C'est la villa de qui, ça? La villa de qui, ça? Topric, Charles, c'est qui, ça? Même une piscine ici. La villa de qui, ça? Ici, donc, tu as tout, là où tous les, c'est-à-dire quand tu prends le satellite, là, tu as toutes les maisons des Moshi en Pangal. Donc, vous les Moshi, non, en Pangal. C'est-à-dire que moi, non, vous êtes là en train de raconter des bêtises. Moi, je vous vois ici. Je sais ce que vous faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux, je peux prendre la photo de Okema. Quand il sort de chez lui, hein, il prend la route, tes cortèges qui vous suivent. Je vous vois, je vous vois, je vous vois. Donc, quartier, un pilote, à Tétien. À Tekia, c'est le roi du Maroc, tout ça, toute cette zone que vous voyez. Et puis comme c'est au bord du fleuve, donc ils profitent de tout ça. Donc ils sont que les gens, ils n'ont plus besoin. Tout ça, c'est ce qui se passe, on est derrière l'idiotie de Ndengue, des gens qu'on doit chicoter, bien comme il faut. Mais si Mpangala, il te mouna, il y a Mpangala, ou Yoro, quoi que tu dis, il y a Mamba, il y a Mamba, il y a Mamba, il y a Ame Beno, quel monde en Mpangala, dans le sens que, oh non, voilà, voilà. Attendez. Oh, il ne faut pas voir Mpangala, oh, Mpangala. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis dans la tête des gens que Brazzaville ne appartient pas à nous. Donc, ils sont en train de tout faire, eux, pour nous envoyer loin, loin, en complicité avec toutes les autres tribus. Hein? Voyons, on va voir quelque chose ici. On va voir quelque chose. Là, je parle aux gens de Mpangala. Ben, jusqu'à présent, les gens de Mpangala, vous devez réaliser, il faut la Zabanjilou Zeno, Zabeto, Jilou Zabeto ni Zé. Hein? Parce qu'il faut protéger tout le territoire de Mpangala, sans exception. Sans exception. Il faut protéger le territoire de Mpangala. Ouais. Je vous. Voilà. Tout ça. Il y a un Tamoun. Il y a un Sony. 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 À part le Niadi, il y a un Sony. Le territoire est bête. Il y a un Bangala. Tout ça que vous voyez là. Vous voyez ici, là. Ça, là, tout ça. C'est pas. Donc, les trois régions là, réunies ensemble, ils font à peu près l'immensité de Mpangala. Donc, Mpangala ne s'arrête pas à Brazzaville, c'est jusqu'à l'infini là-bas. Donc, au jour où on va les taper, on doit les chasser. Au niveau de la Bouenza, c'est petit. Ils ont voulu se mettre avec tous les autres là pour venir nous faire la guerre. Vous là, on vous a le. Vous pouvez faire la team vous, Kabakongo, il faut le faire maintenant parce que vous là, vous êtes des tribales et c'est vous qui foutez la merde au niveau de la fédération. Ça, je ne touche pas. Mais Mpangala, il y a Bidi Bidi. J'ai dit Njilu Zabeto, ça. Njilu Zabeto, Zakela. Parce que les BMB, eux, ils veulent prendre une partie. Les BMB, c'est ce qu'ils veulent. Depuis la nuit des temps, Boba Tawé tombe. C'est eux les plus dangereux là-bas. Quand nous sommes là-bas au niveau du sud, Congo, là. C'est eux
l'embauché de chez nous. Ni ba kunu ana ba me kwati ni ba mun kuna sala ba kuluna na sumsum. C'est eux aussi que vous voyez partout là, dans la diaspora, partout là. Ah, la jalanga, la jalanga, c'est toujours eux. Toujours eux. Voilà, bah ça y est tout. Bah, bim, n'y a tout. Vous copiez, ni bao. Kouyiba, ni bao. Ni kouni, ni bao. Côté à bête, y a ma concoute. Comme nous avions. Maintenant, moi, j'attends toujours un sage bimbe là-bas pour parler là. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, Ndilou Zambéto, Zakela. Donc, quand on va les chasser, parce que faut pas oublier le plateau Mateke chez les Mateke, eux, c'est juste quand c'est là-bas. La cuvette ouest aussi chez les Mbochi. Tout ce que vous voyez là, hein, la plupart des Mbochi sont fédérés déjà. Pour... Donc, leur collabo au Sud-Congo, des BMB et certains Niboli. Les BMB ont retourné l'Issouba, parce qu'il ne faut pas oublier l'Issouba, Nzebi. Et donc, eux, les BMB ont toujours voulu avoir quelqu'un de haut placé, comme, comme les Youlou, tout ça. Mais eux, ils ont cru qu'ils pouvaient faire ça chez nous, là. Ils ont oublié qu'ils ont un pays, donc eux, ils ont mélangé ça. Donc, quand on a fait la fédération, eux, dans leur tête, on a eu la fédération, on a eu le pays, donc on va dominer les Larios aussi. Donc, Njilouza Kela, il faut protéger les terres Congo. Et eux, là où ils sont là. C'est-à-dire qu'eux, non. Eux, ils peuvent avoir autant de armes qu'ils veulent. On est là. Vous êtes intelligents, non? Vous allez réfléchir. Vous avez amené combien de l'artillerie lourde là-bas. Vous tous, vous êtes mélangés là-bas. Vous avez fini. Vous n'avez pas encore. Béton à Tachiri. À Tachiri, hein? Béton à Tachiri. On est encore là. Et ce n'est pas demain que vous allez finir. Ndilouza Kela, Lupangula Kela. C'est comme ça que ça doit être. Parce que si nous, les Larib Congo, si on ne vous dit pas, personne d'autre va se lever contre nous. On est obligé de vous, pour nous. On est obligé de vous dire. J'espère que le message passe très, 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 très bien. Très, très, très bien. Ndjel Ebo Manichi. Nimbala commentaire de Katanga. Mais il y a beaucoup de choses à. Il est minuit, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, hein, attendez un peu vite fait. L'affaire de Jérémy Lissouba là. Hein, Jérémy Lissouba. Voilà, voilà le fils d'un Nibolek. Après avoir qu'on a trahi ton papa, comme tout le monde, bah, Dominique, comme les Dominiques, Gwabi, ils sont derrière Sassou. Ils sont derrière Sassou. C'est ça? C'est ça? Jérémy Lissouba n'a Nuko Katakouela Namba. Pour avoir le pouvoir. Oh, mon père était ancien président en Pangala. Oh, ton père est tout président, on est ensemble. Jérémy Lissouba va se marier avec la fille de Sassou. Donc, les Nibolais, toujours, avec les Mbochi. En ce moment où je vous parle, les Nibolais, surtout les BMB, ils ont fait beaucoup d'enfants avec les Mbochi, là où on peut. Beaucoup d'enfants. Ils ont des familles. Hein. Il y en a même ceux qui sont dans la fédération. Leur oncle est marié au Mbochi. Ah oui. Donc, bientôt, Misoga. Donc, nous allons prendre une petite pause vite fait. Je vais lire quelques commentaires et nous allons revenir dans la semaine, pour la semaine prochaine. Mais toujours est-il que Beno Bishimpangala, Beto, il faut éteindre. Je fais les messages, je donne des informations à tout le monde. En ce qui concerne les histoires de la fédération, il ne faut pas vous inquiéter quand je parle de la fédération Congo. Je parle que la fédération Congo institutionnelle, nous sommes en alliance avec Njinji, avec le roi des rois. Vrai roi, le vrai roi des rois. Yona Chizunu, vrai roi des rois. Le vrai roi. Le vrai roi. Pas le roi des bébés. Le roi des... Vous comprenez? Donc nous allons revenir, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps vraiment de le contacter. Nous allons revenir avec lui. Vraiment, la semaine prochaine, je veux dire, week-end prochain, on sera ici avec le roi. Ah oui. Nous allons parler, nous allons bavarder, nous allons expliquer comment ça se passe au niveau de la vraie fédération des fédérations. Là où il y a hein, les papiers, là où il y a l'éthique, là où il y a les lois. Donc nous, avec Njinji, parce qu'il ne faut pas oublier que le roi Makoso, il est le concepteur de la fédération. C'est lui
qui a fait tout. Donc, Mungi, Mayela Kena Mwanina, Yangusakan. Donc, moi, je ne peux que me mettre avec des gens comme ça, des gens intelligents. Je ne peux pas me mettre avec des gens qui profitent des choses. Vous comprenez? Donc, on va revenir à là. Et déjà, au niveau des contacts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a dit là-bas que non, Kaï n'a pas de contact. Kaï, ceci, ceci. Et Kaï, c'est quelqu'un qui est, vous connaissez, il fait rire, il est, hein, il a l'air d'un Yuma, il a l'air de quelqu'un qui est joyeux. Attention. C'est ma nature parce que j'estime que être fâché, être anxieux, ça ne me réussit pas. Et voilà, la vie est trop assez compliquée pour être anxieux tout le temps, se fâcher contre les gens. Non, non, je ne suis pas là-bas. Mais cela ne m'empêche pas d'être en alerte et d'observer. Vaut mieux être idiot et qu'on ne puisse pas te comprendre que être, montrer que tu es intelligent. À ce moment-là, on va t'avoir. Beaucoup de gens sont venus ici. Hein. Ils croient que je ne les vois pas. Donc, ici, en ce qui concerne la fédération institutionnelle, les contacts qu'il y en a, tout est là. Tout, y compris les pétitions. Tout est là. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au niveau même, c'est-à-dire que quand vous avez vu ici les effigies, quand on vous a parlé de passeport, c'est moi, Kaï, qui a, comment on appelle ça déjà, la maquette des passeports. C'est moi qui ai suggéré tout ça. Tout ce qui concerne la fédération, les effigies, la communication, c'est moi. Donc, les gens ont profité de la communication que nous avons faite pour vous tous ici. Voilà pourquoi je vous rappelle encore, comme d'habitude, on est au tribunal. La Fédération Congo, ceux qui n'ont pas signé là-bas, seront au tribunal. Donc, petite ambiance, et nous allons revenir lire quelques commentaires et nous allons clôturer. C'est le bon mien. Ou collage tué, bête bilumbi, ou collage tué, ou collage tué. Moukoko a mal les soso. Yébé la thé. Bon, y'a kaka. Y'a tchou. Bana 5. Ici, Kratos, c'est 485. Mobondo. To poulet. To banana qui riban senza qui la mo gros ouvre mon dubina. Le long de Roma, mon pacho grado, ça y est, n'aboulage. Y'a tchou.
Bon, nous allons lire quelques comments and we gotta go here. We gotta rumble here. We gotta rumble here. Get out of here. Ah là là, c'est-à-dire que le pays là, non, c'est un pays, un ramassier des immigrés de la colonisation et des gens qui ne veulent pas accepter de... C'est-à-dire que quand on vous dit, en temps normal, retroussement de manches pour nous tous pour développer, en temps normal, on devait décider de dire, bon, nous allons développer nos régions. C'était ça, pour le bien de tous. Mais malheureusement, on se rend compte que il y en a qui sont derrière. Derrière le pouvoir des hommes, c'est-à-dire que hein, l'approbation des hommes, qu'on dise « Oh, il parle bien !»« Oh, lui, oh, oh !»« Ah, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Yanganoua, Yanganoua. Vraiment, Yanganoua le bas, mais nous, Yanganoua le bas. Donc, Yanteng, Yanteng. Ça va, Marcel, j'ai lu. Maman Doucette, bonsoir. Monte, 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 ni tu es quoi? Ni tu es quoi, vraiment? Papa Marcel, ni tu es quoi? On est ensemble. Ok, on va mettre un Tinzou, c'est dit, ça j'ai lu. Souverain, monte, 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 Mpangala, souverain, Mpangala. C'est mieux. C'est-à-dire que moi, je suis bien là où je suis, au niveau de moi. Là où je suis là, non, j'ai pris déjà mes racines. Donc, celui qui va venir chercher, rentrer dans ma parcelle, Moni Kwangama. Ah oui. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là-haut, la République. Je ne suis pas là-bas. Il ne faut pas venir rentrer dans mon couloir. Quand je vous dis la vérité, il faut quitter, il faut quitter. Il faut arrêter de nous toucher là-bas. Et ça veut dire que nous là-bas, mais nous allons aller. Tout le monde voit. Yo, attends, bête. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Il n'y a personne là-bas qui va nous dire de faire. Personne. On fait ce qu'on veut. Celui qui est fort là-bas, qui nous touche maintenant. Rater la kengere là. Moi, tout Brazzaville, ouais, c'est Talangaï, Nikal, quoi, on se dit, tiens, pour aller, quoi, bête. Ah, ben, c'est parce que t'as quoi, oh, là-bas, c'est le quartier nord. Quel quartier nord? Quel quartier nord? On dit quartier nord. Nord, sud, mais n'importe quoi. Est-ce que Makabandilou, c'est Mboshi? C'est pas notre langue Congo. Makabandilou, c'est Mboshi. Vous savez d'où vient le nom de Yoro? Vous savez qui est Yoro? Yoro, c'était un pêcheur sénégalais qui est venu à l'époque du chemin de fer contre la colonisation. Lui, maintenant, il avait décidé, quand on a fini les chemins de fer, chacun des immigrés qui étaient venus là pour construire le chemin de fer, il devait rentrer parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas rentrés chez eux. Donc lui, il avait décidé de rester là. Il a dit, ah, moi, je ne veux plus rentrer. Hein. Je veux que moi rester là. On l'a donné un coin. Il était pêcheur. Il s'appelait Tayoro. Comme il était dans le coin là, bon, c'est comme ça que le nom de Yoro est parti. C'était un pêcheur sénégalais, Yoro. Yoro. Vous savez pas l'histoire de Yoro? C'est comme ça que c'est. Ameko, Kompangalako, il n'y a aucun quartier là où on a donné le nom là, que moi je ne connais pas l'histoire de ce quartier. Je connais tout là-bas. C'est-à-dire que Kompangala, j'en fais l'œuvre de ma vie. Par l'intermédiaire de Tamampoum. Donc, il n'y a rien là-bas. On connaît Chimako, que moi, je ne connais pas la provenance. Et je sais qui est qui là-bas, qui est entré là-bas, qui est qui, quelle famille est qui est là-bas, quelle famille qui est du nord, quelle famille qui est du sud, quelle famille qui est qui. Il y a même beaucoup de familles hein, qui ont disparu, hein, qu'on ne voit plus, qui étaient à l'époque de Sassou 1. On les connaît tous, on les connaît tous. Léon Bessa, tout ce monde-là, on connaît. Quelle est la famille que je ne connais pas là? Moi, c'est un pangala pur, hein, de pur, hein, originel, hein, originel. C'est le bandan, c'est parce que vous n'avez pas d'argent pour tout, vous n'avez pas voyagé. Un pangala, quand c'est bien, un pangala, un tombeau, c'est vrai. Vrai. Vous m'ouvrez chier, n'aille. Vous m'ouvrez chier, n'aille. Maman, je m'appelle, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. On est là ensemble, tranquillement, tranquille. Taiwan, in the building. What's going on, my friend? How you doing? In the building, people. Donc, Yoro vendu. Pas les moches, c'est les Marocains. À retenir. Je vous emmènerai les dossiers, les documents qu'ils ont signés là-bas. Comme un peu les documents que je vous ai montrés que les Rwandais ont pris là-bas. J'ai les documents de Yoro là. Avec le signature du droit de Maroc. Donc récemment, là, j'avais vu les étudiants là au Maroc. Là. C'est pas eux qui pleuraient là-bas, les étudiants au Maroc. Aujourd'hui,
ça soit vendu au Rio Euro. Il est culotté. Il est vraiment culotté, ce mec. Les Moshi sont culottés. Pangala Yabouza, Yabouza. Pangala Yabouza. Exactement. Fundala Fundala. Fundala Yabouza. Combattons la tyrannie. Nous devons combattre la tyrannie. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est la tyrannie. Et cette tyrannie-là, c'est déversé chez tout le monde. Parce que, inconsciemment, c'est-à-dire que vous, quand je parle ici, vous avez l'impression que ah, il est trop dur. Non, quand je vous dis ça, la vérité libère. Ça, c'est la vérité. En temps normal, si chacun de nous exécutait ça, on serait un pays non seulement en paix, mais les régions seront développées et il y aurait le respect mutuel et chacun même peut se déplacer. Ah, moi, on a des parents. Hein. Chacun même peut vivre là où il veut. Mais dans le respect, tout en disant que bon, ça, c'est le territoire. Parce que la carte est déjà partagée. Il y a les Kumu, il y a les... Donc, chacun peut... Et même si j'ai quelqu'un de la Lekumu, si quelqu'un m'a dit Lekumu, est-ce qu'il y a un Dima, mon Larikoui Sal Pagan, il y a... Quelle est l'ethnie qui va accepter, là où vous êtes là, qu'une autre ethnie va faire la pagaille dans leur village? Qui va accepter ça? Vous, vos ethnies à vous, on doit les accepter. Mais quand il s'agit de Larry, vous venez toujours nous emmerder, nous raconter des bêtises. On est ensemble. On est ensemble de où? Mais nous, nous, on dit qu'on ne peut pas. Oh, 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 c'est seulement Kali qui dit ça. C'est pas tout de Larry. Vous savez ce que nous, on ressemble? Nous, là où nous sommes, là, nous sommes fâchés. Fâchés de chez fâchés. Maintenant, nous allons nous occuper de ça. Je vais commencer à vous faire des films ici. Je vais vous les mettre à nous. Par la souveraine, ou la souveraine, ou la souveraine. Depuis le 21 hein, mars 2020. Vous voyez comment ça marche? Ce sont les mêmes dates que les Youlous sont partis. Ce sont les mêmes dates qu'ils ont fait les coups d'État là-bas. Donc allez-y comprendre. Bon, t'es maman Delphine. Bon, abatte. Ah, dit tu es quoi? Dit tu es quoi? Adélaïde, maman Delphine, tu es quoi? Ah, mais, par où, même nous, que tu t'as couba, mon instant, bien baou. Baou, parce que baou. Baou, vraiment, quand tu disais bien, quand tu as couba. Ah, nous sommes, nous avons fondé la quoi? Bigal, t'as mis ta couba. J'ai cru l'avoir ici au téléphone. Pas plus le téléphone. Les mots, trouve-moi des mots là-bas. Des mots là-bas que je peux utiliser pour les laver parce que, bah, vraiment, je suis fatigué de. Oh. Vraiment, bah, où? C'est compliqué. Bonsoir, le gouverneur. Mettez-moi, t'as mon couvre. Mettez-moi. Allô? Oui, tu me reçois? Allô? Oui. Ton instant là. Est-ce que là tu me reçois? Très bien. Très bien. Tu me reçois? Ouais, c'est très bien. Voilà pourquoi battre. Comme Dongori cria au bout de Zonzela, comme d'habitude, votre cas Zonza. Bah, vraiment, Kabata Wako, Tungumpach. Baba Banza, Kagar, Nanga Kwavi, et Nayo. Ils sont très bien conscients que. C'est-à-dire, à première vue, hein, parce que dans la vie, quand on a voulu chasser les gens de Pangala, quand on a voulu créer Pangala, ils ont dénigré Pangala. Donc, à première vue, quand vous voyez ici que c'est Kayi qu'on entend l'attaque, non, ce n'est pas Kayi. Ils sont en guerre contre le poule. Donc, moi, c'est comme une passerelle. Hein. M'utilisez-moi pour aller faire du mal au reste du poule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va au niveau de la fédération. Bon, Kayi, quelque chose arrive à Kayi. Bon, comme Kayi était là avec nous. Donc, eux, maintenant, derrière, ils en profitent. Sauf ce que nous, on a fait ici. Et derrière, vous, les gens de Mpangala, alors que c'est faux. C'est une affaire qui c'est grave. Ce qu'ils ont fait là, c'est grave. Ils ont voulu faire du mal à tous les gens du poule. Hein. Parce que quand on fait la fédération ici, c'est pas pour Kayi. Quand on a fait la fédération ici, c'est pour tout le monde. C'est tous les gens de Mpangala qui sont venus signer, tout ça. Donc, quand quelque chose arrive à Kayi, aujourd'hui par exemple, quand on parle de la fédération, beaucoup de gens, actuellement là où nous sommes là, qui ont mal au cœur, qui se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Antiqua, vraiment, ah, pourquoi? Si tout le monde a été touché face au mensonge, imaginez un peu ce qu'ils auraient fait
en Pangala. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc c'est, nous avons affaire là à des gens dangereux et que si ce n'est pas la justice qui les arrête, ils vont, et encore Dieu merci, c'est la plainte qui les a fait taire. Mais depuis là, à part la plainte là, ils continuent à faire des choses. Je vais les mettre dehors. Ah, là, c'est clair. Mais Koulou n'a rien à nous connaître, je connais Brazzaville. Non. Est-ce que c'est mon vilouet? Comme la bête n'a pas fait un bout d'abord. Y'a un doigt sur la main, mon amour, ça sachet, n'a mon molle, moi, mon partout. Voyez, j'en ai tout vu, mon catira boloco. Y'a un doigt, toi, n'a qu'à histoire, y'a eu un chi. Et ton n'a pas bien, mais sa plupart, Koulou n'a pas bien, mais n'a pas point noir. Je suis le Nyari. Naba Fili. Naba Mboshi. Donc, Bao, quand tu m'as dit que 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 tu Les policiers bébés qui sont à point noir, basés à point noir. Donc, tu imagines un peu moi, tu vas dire que tu ne vas pas au Canada, tu vas dire que tu ne vas pas au Canada, tu vas dire que tu ne vas pas au Canada, tu vas dire que tu ne vas pas au Canada. C'est ça. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Donc, il faut maintenant ouvrir les yeux au niveau de Mpangala parce qu'on se rend compte qu'au niveau de Mpangala, on a beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Quand tu as dit que tu es là, 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 tu es là. Quand je dis bon, donc nous avons bonne précaution. Donc tu as vu que nous avons fait quoi? Nous avons bonne précaution. Voilà, c'est bien. Avant de voir ça, nous avons commencé à l'empamper. Tu as bien dit. Voir ce qu'on va faire. Depuis le jour où on va tâcher, on va tâcher de ne pas couper notre coup de sabouna. Nous avons petit peu marché de la carte. Mais oui. Les petits sont restés là. Petit peu marché de la carte. Petit peu marché de la carte. Quand nous babille, nous avons notre mouvement. Nous le poule, nous le poule, nous chiman, nous zozo. Après, la terre y a qui a? Quand nous fumons, nous bien bébé. Tous les policiers bébés qui sont à point noir, tous les responsables bébés, les nibolets. Tu as eu mon accueil de Guyana, Baba Jibouana, ou une façon de voir, non? Ma tout caille, mais tout le monde ne voit pas, tu m'as dit, tu ne vois pas, tu caille, et tu as dit, tu ne vois pas, 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 Regarde ça, c'est très dangereux. Il n'y a même pas la lumière, souhait qu'elle dirige, souhait qu'elle met sur Madame Monica. Hein? Aïe, on ne doit pas dire que nous sommes dans l'obscurité, quoi. Nous ne doit pas dire que nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes vraiment dans la vérité, quoi.
É como se normal que o bueno o pasco menga, mas menga que trabo ni dão que bate, quando o bueno batasse, nós lhe mandamos, a bala vai dar bate, vai acontecer o quanto der. Tu sabe que eu venho na mata, que eu venho na mata, na como na pele, chefe de mão, a polícia, c'est la même chose, bala vai dar onde, né? Ils ont tué beaucoup de gens. Là même encore, ils avaient enterré des gens morts. Ils ont enterré des gens là en tout temps. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont enterré les gens morts là. Et que donc, vous n'avez qu'à paniquer. Là, vous avez besoin de tout dans la carte. La carte, vous avez tout à quoi la zéro, vous achetez, vous achetez. Mais quelle est votre quelle? C'est grave. Mais, c'est grave, Bika, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est bon que tu as une victoire. Tu peux le faire comme un secouture. Secouture, tu peux le faire comme un bangakura. Tu n'as pas eu l'Amérique, tu n'as pas l'Amérique, tu n'as pas l'Amérique, tu n'as pas l'Amérique. Tu n'as pas l'Amérique, tu n'as pas l'Amérique. C'est pas moi. Moi, je fais seulement commander. À un moment donné, je joue à mon tour. Je fais ça. Quand je suis un balabalabou, je suis un balabalabou. Je suis un balabalabou. Je Ils doivent tous payer parce que là, ils ont tous blagué comme pendant des années, ils ont blagué. Et là où ils sont là, ils ont même pas compris qu'il faut développer les pays. Ils sont toujours dans ce mutisme. Le Congo est une indivisible comme n'importe quoi. Mais vraiment. Depuis la fédération existe, on n'a même pas vu l'emblème de la Guignari, de la Buenza, rien ne parle, il n'y a même pas une loi là-bas. Ils vont faire ça comment? Ils vont faire ça comment? Est-ce qu'ils savent faire ça? Ils savent faire ça. On dirait que c'est-à-dire ils ont prouvé les compétences que sans Jim Kayo, on ne peut rien faire. Mais maintenant, curieusement, ce que je trouve un peu bizarre, mais le roi de Luango, là, pourquoi qu'il compte mon groupe, il se revient bien. Un roi qui était bien. Et même pas que je veux le soutenir ou quoi que ce soit, je ne sais pas qui il est. Mais moi, j'ai peut-être une bonne idée derrière là. Parce que lui, là, le gars là, il a fait croire à tout le monde ici que c'était lui le plus intelligent. C'est lui qui faisait tout, qu'il était caïd. Donc, c'est-à-dire que là où il est là, non, il est tellement menteur, ce mec-là. Il est tellement menteur. Et il a dû raconter beaucoup de choses aux gens. Derrière. Il a fait croire aux gens que non, t'inquiète pas, Kaï, je le maîtrise. Je maîtrise Kaï, tout ce que je fais. Donc lui, il se disait que comment je faisais des choses ici, il croyait qu'il me maîtrisait en vrai. Alors que moi, je faisais ça pour l'avancée de la fédération. Donc il a dit aux gens là-bas que c'est lui qui faisait ça, celui qui. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a profité des signatures des gens. Quand nous, on allait faire. Quand on allait pour faire les. Donc il a pris les signatures. Derrière ça, il a voulu se faire une gloire. Donc lui, il s'est dit que le simple fait que. Il partait faire des dents, il s'est dit que oh, c'est moi. Le travail que chacun dans la fédération avait son travail ici. Mais à la fin, comme c'est un BMB, les BMB comme ils sont, il a voulu s'accaparer du travail. Dire que c'est lui. Tous,
tous ils ont profité des signatures de Pangala. Mais même pas ça, pire encore. Ils ont bouffé l'argent de la boutique, non. La boutique, ils ont bouffé l'argent. Alors, est-ce qu'ils vous parlent ça? Ils ont bouffé l'argent. Ils ont bouffé l'argent. Est-ce qu'ils vous parlent ça? Ils continuent à vendre les marinières. Ils n'ont même pas honte. Mais pour ouais. Bouffer l'argent là, pour bouffer ça. Vous allez avoir le bonheur avec Après, mais de toute façon, les mbochis, là où ils sont là, parce que pour l'instant, parce que je suis en train de parler ici, ils sont en train de prendre tout ça à la légère. Mais ce qu'on parle ici, c'est logique. Il faut développer le pays. Mais il ne faut pas développer le pays en s'accrochant chez des gens, en racontant des bêtises, tout le temps venir parler de la République du Congo, la République du Congo. Alors, sachez que vous tous, là, vous êtes là, vous avez vécu dans le pool, vous avez grandi, même ne plus qu'un peu de bon sens, de se dire, ah, on a grandi là, on a fait nos enfants ici, on a été à l'école ici. Faut pas. Ils vont, avec eux, on va peut-être développer. Non, ils nous ont laissé comme ça. N'importe quoi, ces gens-là. Et ces tribus-là sont bizarres. Sont vraiment bizarres. Non. Dans ces tribus-là, les gens qui sont plus bizarres, ce sont les bémés. Oui. Parce que les bémés, dès le départ, ils ont donné l'image que vraiment, quand ils me virent, ça m'a mis à me virer au fond. Non. Au fond. Et chez eux, non, c'est héréditaire. Hein. Chez eux, c'est génétique. Hein. Chez eux, c'est héréditaire. Hein. Tu vas demander à n'importe quel enfant bébé qui a un parent bébé qui a fait avec Larry ou avec Vélé. L'enfant bébé va toujours te dire ce que les bébés ont fait subir soit à leur mère. Ils vont t'expliquer. Parce qu'ils ne veulent pas parler, ils savent. Moi, je les connais. Hein. Je les connais très bien. Je connais comment ils sont. C'est des plus mauvais. Maintenant, ce sont nos esclaves. Donc, ce n'est pas pour rien. Tout ce qui nous appartient. Et ils ont jamais parlé. Jamais je les ai vus. À part que je leur tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, ils publient leur danse parce que ils font que danser à longueur de journée. Mais je n'ai pas vu moi de leader sur les réseaux sociaux de la Buenza venir dire bon nous allons développer ça. Si c'est pas la danse, c'est la nourriture. Si c'est pas pour dire que je suis BMB et je suis fier de l'être. Domper le matac ou derrière, que tu disais, mon tout. À part ça, il n'y a rien. Et c'est eux qui salissent les larmes. Quand tu vas chez eux, il y a rien. Même il y a un peu, tu es devenu pour eux. Ah, bah, quoi, il y a une façon de canard, tu as un peu de zénéne, tu as un peu de canard. C'est pareil, tous les bébés, quand ils vont parler, oh, esclaves à bientôt. Papa, ça va, non? Ah, moi, ça va. Esclave, j'avais tout aussi. Moi, ça va. Tout ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ce qui m'intéresse, moi, tu es bien doux, Ils vont tous payer. Il ne faut pas mourir comme ça. Tout se paye ici-bas. Je crois que vous allez rester comme ça en Pangala, le tari. Ah bon, il est beau quoi. Ça comme ça. Ah, il y a combien? Ah, il y a une heure. Ah, ça me faut la kanga. Nous allons revenir dans la semaine. Nous allons venir panzement ici. Mais entre-temps, vous là,
préparez-vous, hein, parce que je vais vous mettre dehors. Hein. Je vous mets dehors. Vraiment, vous mettre dehors. Imaginez tout, là. Mettre dehors. Me tester. Me tester. Bien. You gotta go here. Peace. What have we done? Alpha 3, autorisation de sortie. Denfort, Code Alpha 3, autorisé. Denfort, Code Alpha 3, départ éminent. Nous sommes auprès de vous.